centre de prière, d'écoute et de délivrance. Aujourd'hui, c'est samedi. Nous avons une rencontre d'entretien, d'échange. Nous revenons d'une croisade dans un village qu'on appelle Zego. Nous sommes allés prier pour une famille, délivrance d'une famille. Nous avons fini par la grâce de Dieu. Nous sommes entrés très tôt le matin. Le temps de se reposer, en principe, normalement, 15h, c'est la mise en place, 16h, ça démarre. Mais compte tenu du fait qu'aujourd'hui, je vais vous recevoir, mais je vais finir un peu avec le... Ne soyez patients surtout. On va prendre un bon monde de gens pour les aveux, pour que demain, on ait plus de temps. Voilà, pour qu'on ait plus de temps demain, on va écouter les aveux. Amen. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai dit aux gens, c'est parce que les gens n'ont pas une grande connaissance de la sorcellerie. Ça leur intéresse pas, mais c'est dangereux. Le sujet doit vous intéresser. Ça doit intéresser les gens. Or, le problème aujourd'hui, les hommes de Dieu qui doivent parler de ça, en parlent peu. Ah, puis ils trouvent que non, il ne faut pas trop qu'on parle de ça, c'est effrayant. Bon, ok, le diable aime qu'on ne parle pas de lui. Plus vous ne parlez pas de lui, que vous restez dans l'ignorance la plus totale, lui il agit. Que tu crois à la sorcellerie ou pas, lui il existe. Donc lui, tu crois pas, oh, il est là, il mange. Je disais hier dans le village, eux, ils ne savaient pas. Ils savent que ça existe. Mais le mécanisme, comment ça fonctionne, ils ne savent pas. Or, c'est quel nom qui existe dans toutes les langues de la terre? Sorcellerie, là même, dans ta langue, ça existe. Ça veut dire qu'en chinois, en français, en allemand, en anglais, dans toutes les langues, dans toutes les ethnies du monde, le nom existe. C'est parce que c'est intéressant que ça existe. En fait, ça existe. Quelque chose qui n'a pas de nom, ça n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi? Et la Bible même en parle. Très bien. C'est pour dire que la Bible même reconnaît l'existence de la sorcellerie. D'accord. Si on est d'accord là-dessus, on va évoluer un peu dans l'explication de la chose. La sorcellerie, la définition, ça c'est en français. Puisque nous, notre langue officielle ici, c'est le français. C'est dans ça qu'on va essayer de changer. La sorcellerie veut dire la définition. Parce qu'il faut connaître la définition des mots. La sorcellerie, il faut connaître ça. Quand une sorcellerie, ça veut dire quoi? Celui qui lance un sort. Vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Sorcellerie. La définition veut dire celui qui est là et qui lance un sort. Vous comprenez? Voilà. Donc il n'y a pas quelqu'un qui lance un bon sort. C'est toujours un mauvais sort. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ok, on va avancer. Pour dire que si quelqu'un lance un mauvais sort, il n'est pas positif. Il est plus négatif. Donc quand on parle du sujet, il est plus négatif. Ça, c'est effrayant. Ça fait peur. Or, il ne faut pas s'arrêter là. C'est encore plus intéressant qu'on explique. C'est lui qui lance un mauvais sort. Le sorcier ne fait pas qu'il lance un mauvais sort. Mais on l'appelle aussi mangeur d'âme. Vous comprenez? Voilà, on l'appelle mangeur d'âme. Pourquoi? Parce que l'être humain est composé, scientifiquement parlant. Les scientifiques reconnaissent que l'être humain hein, est composé de l'esprit, l'âme et le... Hein? Le corps. Hein? Le corps. Ok. Le corps n'est qu'une enveloppe, n'est-ce pas? Dans le corps se trouve une âme et puis un esprit. Or, le sorcier, on l'appelle mangeur d'âme. Vous allez me poser la question tout à l'heure, mais où est l'âme? Demandez à un scientifique, il serait incapable de vous expliquer. Aujourd'hui, vous allez prendre un scientifique, il serait incapable, mais il croit. C'est ça que, pour ne pas vous laisser distraire, donnez-moi le mouchoir. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui pensent qu'ils sont athées, ils ne croient pas au sujet. Ils mentent. Hein? Ils mentent. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels eux-mêmes, ils ne peuvent pas donner d'explication. Tel que âme. Il dira que l'être humain, c'est comme ça. Tous les scientifiques sont d'accord là-dessus. Celui qui dit que les scientifiques ne croient pas que l'existence de l'esprit là, c'est que l'humain, là, c'est pas un scientifique. Or, l'âme se trouve dans le sang. On revient sur la Bible. Parce que la Bible, c'est le fondement. C'est Dieu qui a créé l'être humain, tout se résume dans la parole de Dieu. Amen. Or, l'âme, vous voyez, elle se trouve dans le sang. Et un esprit. C'est l'esprit qui peut vous permet de discerner des choses. Voilà. C'est ça que l'être humain a peur de mourir. Parce qu'en réalité, il a en lui un esprit. L'esprit ne meurt pas. Donc, l'esprit va rendre compte. Mais l'âme meurt. La différence entre nous et les animaux, l'un animal a une âme et puis un corps. Mais l'être humain va plus. Il a un esprit. Elles sont bien saisies. Or, c'est l'âme que le sorcier mange. L'esprit n'est pas touché. C'est pour ça qu'on peut manger ton âme et que tu es vivant. Voilà. Voici cette partie scientifique-là. Ton âme, on mange et puis tu es vivant parce que ton esprit est en toi. Le corps n'est qu'une enveloppe.
une enveloppe, n'est-ce pas? Quand l'esprit quitte, tu tombes. Amen. Mais quand ton âme est touchée, tu peux ne pas tomber pour un temps, mais tu ne dépasseras pas une année. Non, 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 tu ne dépasses pas un an. Surtout, tu ne dépasses pas 9 mois. Parce que l'homme, c'est 9 mois qu'il fait dans le frein. Va t'asseoir là-bas, ta place. Là, tu m'as fait 29 mois. Laissez-moi vous expliquer un peu le mécanisme de la sorcellerie. Amen. Amen. Donc, cet esprit-là, il attaque l'âme. C'est ce qu'on appelle le sorcier mangeur d'âme. Ok? Lui, il mange. Plus il s'alimente, parce que l'âme se trouve dans le sang. C'est la partie vitale de l'homme. C'est ça que vous avez remarqué qu'on ne peut pas fabriquer le sang humain. Jamais on ne peut fabriquer le sang humain. Jamais. Et c'est ça. Eux, ils attaquent. Voilà. C'est ce qu'on appelle les mangeurs. Il peut prendre ton âme et puis transformer ça en animal. Manger. Ok. Je disais aux gens que quand on initie quelqu'un à la sorcellerie, quand quelqu'un devient sorcier aujourd'hui, c'est que chaque mois, il doit donner une personne. Ça, c'est un nouveau sorcier. C'est un apprenti qui vient de commencer. Ah, vous parlez de sorcellerie là, c'est pour laver l'assiette là-bas. Il y en a qui dit non, elle est lave assiette. Il dit, mais tu es malade ou bien. Tu vous vois là-bas. Quand tu as moyen pour les autres, tu as lavé leur assiette. Tu as moyen, mon papa, et puis tu as lavé assiette. Mais il ne m'aime pas ta maman. Il ne faut pas nous distraire. Là-bas, c'est une tortue humaine. Quand on te met dans la sorcellerie, on t'initie à une pratique. C'est ça. On t'initie à une pratique. On te dit, désormais, voici ta chose. Donc, quand quelqu'un, un sorcier, commence d'abord à faire la sorcellerie, qu'on lui donne à manger, d'abord c'est pas petite chose, c'est viande de l'homme et le sang humain, c'est un pacte et une initiation. Quand tu finis de manger, on lui donne quelqu'un de chair. Donc tu es obligé de donner. On m'a bien saisi? Quand tu finis de donner, on dit bon, tu es courageux, maintenant tu as droit à la parole. Voilà, maintenant on peut partager les secrets à toi. Mais tant que tu ne fais pas ça, il y a des secrets que. Ce sont les secrets, les sorciers gardent secrets. Vous allez voir les conseils, ils n'ont jamais dû le mettre de la conflit. Ils vont te dire ils sont seuls. Oui, mais ceux avec qui j'ai fait, ils sont tous morts. C'est faux. Quand quelqu'un meurt, on le remplace. Ça, c'est faux. Ils sont bien organisés. Ok. Dans un village, s'il y a 4 confréries, les 4 confréries s'entendent. Et famille, les 4 familles de sorcellerie, c'est qu'il y a 4 confréries. S'il y a 4 familles dans un village, c'est qu'il y a 4 confréries de la sorcellerie. Et les 4 confréries du village s'entendent. Ils font semblant de ne pas s'entendre. Ils s'entendent sur le plan spirituel. Et dans chaque confrérie, c'est-à-dire la famille, si c'est la famille Nguessan, mariage de la famille Nguessan, la famille Nguessan prend, on est gardé chez la famille Yao. Vous savez, chacun le sait plus son camarade. C'est comme ça qu'ils travaillent. Donc, chaque mois, ou même chaque 3 mois, c'est comme ça qu'ils opèrent, il faut qu'on donne quelqu'un dans nos familles. Si on a commencé par un instituteur, ok, vous allez donner aussi un instituteur. Au moins, s'il n'y a pas un instituteur, professeur, c'est la même chose, il faut se remplacer. Vous voyez, professeur, tout ça. Il y a une dame guérie, il a attrapé. Elle dit son fils, ils ont mangé un gendarme, il fallait remplacer un corps habillé. Donc, on cherchait le gendarme. Et puis, l'on coincé, elle dit bon. Elle dit non, moi j'ai un militaire. On dit café, cacao, là, c'est la même chose. Café, cacao, là, c'est la même chose, on peut boire. Elle a donné son petit. Militaires l'ont mangé. Non, c'est comme ça. C'est ça que dans nos régions, vous constatez que les cadres meurent, une catégorie de trucs meurent. Donc, du village, ça devient, n'est-ce pas, régional, national, n'est-ce pas, continental. Donc, ils s'entendent. C'est un système qui est mis en place. Ils savent tout. Ils savent tout. C'est pour ça que s'ils ne sont pas démantelés, ce réseau-là, vous êtes mal barrés. Pendant que vous pensez qu'ils ne sont pas informés, et ils ont plus d'informations que vous. Parce que la force de la sorcellerie, c'est qu'ils agissent dans le spirituel. Amen. Amen. Ils agissent dans le spirituel. Donc, un sorcier qui est dans une famille est un danger pour la famille. C'est-à-dire que c'est une obligation que les gens initient quelqu'un de la famille pour avoir tous les secrets et la main libre de travailler dans la famille. Parce qu'on l'envoie. Il est un émissaire, il travaille avec eux. Quand ils arrivent dans la confrérie, on lui demande qu'est-ce qui se passe dans ta famille. On a l'impression qu'il y a telle personne, Suzanne doit se marier. Il y a un blanc qui tourne autour d'elle. C'est pas moi. Regardez ça. Elle dit oui.
Or là où il y a la sorcellerie, c'est le retard. Tu vas jusqu'à tu reviens en arrière. Tout est bloqué. Tu n'arrives pas à comprendre. Ça veut dire qu'il y a une main obscure. Frère, écoutez la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Matthieu. Amen. Moi, personne ne peut m'enlever ça dans le cœur. J'aurais dit hier dans le village, j'ai dit, écoutez, est-ce que combattre la sorcellerie, c'est mauvais? Ah non, c'est un sorcier qui connaît son camarade sorcier. Mais c'est dangereux qu'on dit ça. C'est dangereux. Parce qu'un policier qui va attraper un bandit, c'est parce que les bandits qui l'attrapent un voleur. Non. C'est un système qu'on emploie pour maîtriser, n'est-ce pas, le banditisme, faire reculer le banditisme. Or, la définition veut dire que celui qui lance un sort, lorsque quelqu'un qui lance pas un sort n'est pas sorcier. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Maintenant, pourquoi on en parle peu? Parce que l'autorité, le pouvoir est donné à l'église que nous sommes. L'église, ce n'est pas ici Pentecôte là, hein? C'est les croyants, ceux qui croient en Dieu là. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Luc 10, verset 19, ils nous auront la puissance pour marcher sur eux. Pourquoi on ne parle pas de ça? Et puis, notre ministère, c'est de dénigrer les gens qui délivrent les gens. C'est dangereux. Au lieu d'attaquer la sorcellerie, on va dénigrer les gens que Dieu utilise. On les dénigre. Amen. Amen. On allait dans un village, on dit non, c'est le prophète Crassus, ne sortez pas. Or, tous les fidèles sont venus. Ils ont peur. Quand ton fidèle, il est attaché dans Ab. Il y avait hier une petite fille, pendant qu'elle priait, le Seigneur m'aidait les sorciers. Et elle posait la question, elle a attaché son papa. Elle a attaché son papa. S'il n'était pas venu à la croisade, son papa allait mourir. Tranquille. Chaque homme de Dieu a son don. L'hôpital où vous voyez la chute là, ça ne soigne pas que les caries. Il y a gynécologue là-bas, il y a chirurgien là-bas. On a chacun dans nos spécialités. Tous les corps, tous les membres du corps ont chacun une fonction. C'est comme ça le corps de Christ. C'est comme ça que c'est organisé. Si toi tu ne vois pas un sorcier, ton problème est où? Peut-être que tu peux diriger les gens, tu es pasteur, mais c'est pas dit, celui qui voit là, il est diabolique. Il y aurait disait hier, on a dit, ah, écraser Satan. Il dit, bon, quelqu'un qui dit il est de Satan, puis pas de Jésus. S'il va chez Satan, Satan va le frapper. Non, je vous pose la question. On est frappé. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Écrasé, écrasé. Satan est écrasé. Toi qui es de Satan, non? Tu vois le roi de mon ami. Tu as dit quoi hier? Donc on dit, on reconnaît là par ses fruits. Celui qui est de Satan, il ne va jamais dénigrer Satan. Et regardez les gens qui parlent là. Ah, les mystiques de la Côte d'Ivoire, c'est nous qui les avons mis au pas. Depuis que je parle à la télé, je leur ai dit, vous pouvez tout parler, mais moi, Crasso, vous n'allez jamais me tuer. Il y a quelqu'un mystique, il dit, tu es pasteur. Il dit, moi, il y a pasteur et puis il y a pasteur. Il faut rectifier ça. Le pasteur, tu as tué là, c'est un faux pasteur. Mais moi, je t'affronte. Il dit, me donne un an. Mais voici, je mange, je continue de manger, je continue. Il dit, il a construit les maisons. Moi, j'ai construit l'orphelinat. Moi, je ne comprends pas mes biens. Moi, j'ai construit l'orphelinat pour mettre les enfants orphelins. Je ne suis pas là pour présenter les biens. Vous comprenez? Depuis, les parents, ils ne parlent plus. Ils n'insultent pas, pasteur. J'aurais dit, il ne faut pas citer les hommes de Dieu. Tu insultes. Il a dit au grand, les féticheurs. Le jour, je vois un féticheur sorti dans un journal ivoirien. Où il insulte un pasteur. Moi, je le réponds rapidement. Je fais droit de réponse. Parce que je sais qui c'est qui Jésus représente pour moi. Je ne peux pas permettre à n'importe qui d'insulter Jésus. Et ça, c'est qui représente pour moi. Et puis toi, sale bouche, tu prends cola dans ta bouche, tu fais. C'est toi, ta sale bouche là qui a venu insulter un pasteur. Il y a pasteur, puis il y a pasteur. Celui que tu as tué là, c'est un faux pasteur. Il est moi. Dis aux gens que tu as me tué. Il apparaît. Mais moi aussi, je suis vivant. Je prends mon avion, je voyage, je parle. Moi, je ne tue pas. Il lui a dit, tu viendras te repentir un jour devant Crasso. Tu viendras un jour. Parce que moi, je ne suis pas un tueur. C'est différent. Toi, tu as un langage de tuer. Moi, je n'ai pas le langage de tuer. Moi, je sauve les gens. Donc, les gens, tu tues là. Ils sont là. Mais moi, tu ne vas jamais. Tes fétiches là, ça ne va jamais me tuer. Amen. Jamais. Amen.
hier, le jour, les gens, Goliath était en train de mal parler de Dieu d'Israël, mais il a rencontré David sur son chemin. Toi, t'es qui pour insulter Dieu? Et puis on les voyait ici, partout, en tant que petit chaud, ils insultent les pasteurs. Mais depuis là, vous les voyez, vous n'avez pas vu un petit chaud parler mal d'un homme de Dieu. Je suis là, je les réponds. Moi, je suis là pour ça. Et les, tous les pasteurs avaient peur. Vas-y, dis que là, tu es un pasteur. Je leur ai dit, moi d'abord le pasteur. Bon, d'ailleurs, je ne crois même pas à son appel. Bah, c'est un véritable enfant de Dieu, un petit pas de Dieu. Et tu vas mettre dans la tête des gens qui fétichent moyen homme de Dieu. C'est ce que tu veux mettre dans la tête des Ivoiriens. Tu mens. Moi-même, je l'attaquais. Moi, je l'attaquais dans les vidéos, je l'attaquais dans les journaux. Je voulais qu'il sorte. Il est sorti. Il a parlé, il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Il est arrivé sur le stade. Tu vas voir, c'est la dernière année du prophète Crasso. Tu ne vas pas dépasser de descendre. Mais voici, je vois combien de fois descendre. Je mange tout. Il n'y a pas de nom de quelqu'un, vous ne pouvez pas faire abuser quelqu'un. Si vous dites les gens, si vous faites leur publicité. Pour vous dire, il faut savoir, c'est-à-dire, il faut, si tu ne crois pas à ton salut, tu ne sais pas en qui tu as cru, tout ce que les gens, le diable dira sera tes frères. Tout ce que le diable, c'est un menteur. C'est ce qu'il a fait quoi? C'est un menteur. C'est un menteur. Eux, ils sont là pour parler, ils n'ont pas de preuves. Bon, 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 bon. Moi, j'ai dit, tu montes, descends. Le jour, toi, moi, je suis allé à la RTI. Je dis, je vais une mission avec ce monsieur-là. Une confrontation à lui. On ne vient pas trop parler. Il parle, il me met à terre. Je dis qu'il me met à terre. Mais s'il m'a loupé, je vais faire manger le micro de la télévision. Parce qu'il faut qu'on respecte Jésus-Christ dans cette nation. Amen. Ah oui, il faut. Maintenant, moi, je suis ambassadeur de Jésus. Je ne vais pas permettre qu'un n'importe qui frère. Là où tu es ambassadeur de Christ. Amen. Vous devez défendre l'image de Jésus-Christ. Amen. Faut prendre courant pour Gournam. Il a dit, ça faut là, c'est ma chair qui vient sur ta tête. Tu vas à l'Arabie Saoudite, et puis tu prends, tu dis aux gens, voici le Coran, et puis tu brûles. Tu vas rendre témoignage les heures qui suivent. Tu as brûlé le Coran à l'Arabie Saoudite. Montre aux gens brûler le Coran. Ils vont te mettre à ta place. Nous laissons n'importe qui parler de Jésus, l'insulter, et ça ne nous dit rien. Moi, j'aurais dit dans cette nation, vous pouvez compter sur moi. Le jour où je vois un mystique faire sortir de route, il met sur les journaux, en grand titre, que lui, j'aurais dit, vous pouvez donner, souvent vous mentez. Vous dites que nous donnons médicaments aux pasteurs. Bon, il y a des pasteurs. Qui ne savent pas passer dans nos corporations, il y a des gens qui sont. Moi, je sais que quand il y a vrai, il y a faux. Bon. Mais, un mystique, quand on regarde vos vies, là, vous êtes des menteurs. Ben, vous n'êtes rien. Vous avez donné pouvoir aux gens. La Côte d'Ivoire est en guerre. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous avez changé quoi? C'est sur la main de Dieu qui a changé cette nation. La Côte d'Ivoire a connu une guerre pendant peut-être un mois. Puis c'est stabilisé. C'est la main de Dieu. Non, un mystique n'a pas sa place dans la Côte d'Ivoire. Non. Je les voyais parler du camp, il dit, bon, attends. Ceux-là me disent, non, tu es un pasteur, non. Je suis là. J'ai testé la parole de Dieu. Il commence à parler, non, c'est ton dernier, sa dernière année, tu ne vas plus. J'ai dit, moi. Est-ce que tu me connais? Je connais mon alliance avec Dieu. Moi, je sais qui est Jésus. Toi, tu es un petit plaisantin, un petit mangeur de coula. Tu adores, statuette. Tu parles ce que tu adores dans ta chambre là, c'est ce qui est Dieu. Moi j'adore le Dieu d'Israël. Je sais ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Bien aimé, Jésus là, ayez foi en lui. Amen. Amen. Ayez foi en lui, n'ayez pas peur. Un sorcier ne doit pas vous effrayer. Amen. Lui il est qui? Vous voyez sorcier arrêter ou trembler. Mon papa veut manger. Il a fait au berger. Il est allé au marché. Il a acheté au berger. Un bombeau frère, là c'est dangereux. Là, il y a un bombeau frère qui rentre dedans. Il y a un bombeau frère à Placali qui va suivre après. Amen. Amen. Moi, je sais en qui j'ai cru. Aucune menace ne peut m'effrayer. Aucune menace. Amen. Amen. Donc, la sorcellerie, quand on est possédé de la sorcellerie, ça veut dire qu'on tue. Vous avez bien compris, hein? Ça veut dire qu'on tue. Ça va là, c'est pas pour aller faire soleil, ou même jouer, faire temps passe, sauter, clôture. Non, c'est pour tuer. Et toutes les pensées, c'est de détruire la vie des gens. C'est pour ça que la société est mauvaise. Bon, le niveau 2,
Quand au niveau 2, le monsieur doit tuer une personne par semaine. Ah, vous voyez, non? Vous ne connaissez pas la chose, non? Moi, mais je suis choqué. Il faut qu'on vous donne l'information. Maintenant, celui qui est responsable de la confrérie, par jour, lui tue. Donc, il peut provoquer accident, il peut aller à Benjerville, il peut quitter ici, hein, pour aller trouver un dégât à Benjerville. Il pue sans trace, on ne voit pas ses traces. Il peut quitter ici, aller au Corogo pour faire un dégât, et puis il n'y a pas de traces. Alors, c'est quel continent où les jeunes meurent seulement? En Europe, c'est les vieux qui meurent. Vous savez ça? Quand un jeune meurt, c'est dangereux, c'est choquant. On fait tout pour le sauver. Peut-être sa moto, les gens qui veulent s'amuser. Sinon, un jeune mourir, c'est rare. Hein? Mais nos continents, si on a trop duré, c'est 70 ans. C'est trop même. Mais le petit, même dans ta famille, même le petit qui a 2 ans, il te mange. Un enfant de 2 ans. Petit met la machette pour te manger. Un enfant de 2 ans, il veut te mettre dans son gré. Tous les enfants mangent. Regardez là-bas, il y a les enfants. Or, aujourd'hui, là, même les enfants sont initiés à la sorcellerie. Donc, chaque jour, vous voyez, chaque jour que Dieu fait, la sorcellerie en deuil des familles. Il y a des morts qui vous choquent. Regardez, t'es pas malade. Ou d'ailleurs, c'est pas une excuse, mais les sorcières donnent maladie pour brûler les traces. Et bien, vous voulez pas qu'on parle de la sorcellerie? C'est ce qu'il dit aux gens. Quand il y a eu Ebola, là, d'où nos mamans du village, là, et de toi, c'était au courant que Ebola tue? Parce qu'ils ont mis une information en place pour informer même la maman du village qu'il ne faut pas manger la viande que tu trouves mort dans la brousse, n'est-ce pas? Quand c'est fini, tout le monde maintenant, on va aller goûter, on est revenu, moyen nos sauces à goûter, on mange nos sauces à goûter. Mais quand il y a un fléau, il faut informer les gens. Quel est le rôle que joue l'église? Nos fidèles qui vont à l'église, là, ils sont possédés. Personne ne vient propre à l'église. Tout le monde vient possédé, malade, blocage de mariage. Mais qui est derrière? Qui est derrière? Vous priez quand vous dites aux fidèles, non, tu n'as pas la foi. La personne n'a pas la foi, tu n'as pas pu le délivrer. C'est tout. Or, pour le délivrer, il faut avoir la révélation que c'est le sorcier qui le mange. Or, les gens, ils ne savent pas. Ils connaissent la sorcellerie, c'est tout. Mais le sorcier, il peut t'enfermer dans une bouteille. Moi, j'ai vu dans un village à Grand Là-Haut, où un passeport dans une tombe. C'est pas un esprit, hein? Vrai. Ils sont les parents dans une tombe. Passeport neuf. Ils ont bloqué visa du monsieur. Sans raison. Ils travaillent, les fonctionnaires, là, tous les papiers. Ils vont aller pousser ses études à Londres. Ils ont bloqué. Et c'est le sorcier qui a parlé. Je le prends, où ça est? Il dit, c'est là. Vous savez, nous autres, là, quand le sorcier dit, j'ai mis dans bouteille. Non, cher bouteille. Hein. C'est ce qu'il dit aux gens. Et il veut rester à Paris pour délivrer la bouteille au village ici à Zaroko. Tu mens. Quand il peut quitter Paris, c'est vrai que Dieu est souverain. Mais il y a souvent des actions. Il faut aller sur place. Il faut aller dans la base de la sorcellerie pour détruire ça. Et ils enseignent ça à d'autres personnes qu'on appelle les hôtels. Ce n'est pas à distance qu'on détruit. Il faut aller. Et puis il faut trouver un spécialiste. Parce qu'il y a des gens qui ont des clés, quand tu le rencontres, en une minute, Dieu les délivre. Nous ici, en 5 minutes, un sorcier peut délivrer. Sorcier où qui doit durer, moi en 7 minutes, je délivre un sorcier. Et tu as 8 minutes, à 5 minutes. Il est obligé de partir, parce que j'ai reçu ce mandat. Amen. Donc quand tu me regardes, toi, démon de la sorcier, tu es obligé de céder. Parce que chacun a son onction. Amen. Amen. Donc imaginez-vous les sorciers qui sont dans la nature, qui n'ont pas été démasqués. Regardez un peu leurs dégâts. Vous comprenez? À cette heure, ils sont en train de tuer. La plupart des morgues sont remplies à cause des sorciers. À un moment donné, tu as l'impression que ta vie s'éteint un coup. Et puis, tu n'arrives pas à réaliser ce blocage-là. Tu réfléchis jusqu'à tu n'arrives pas à comprendre. Sorcier, quand ils ont la main sur toi, frère, il faut la main de Dieu. Il faut la main de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'asseoir. La Bible dit que lève-toi. Car ta lumière arrive, lève-toi.
il y a des actions, tu as besoin de te lever pour aller vers, pour te faire délivrer. Quand si ne vous levez pas, vous n'allez jamais voir Dieu aller vers vous. Dieu ne va jamais. C'est nous qui allons vers Dieu. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ça que la délivrance, ça se désire. Si quelqu'un ne peut pas être délivré, Dieu ne va jamais le délivrer. Vous m'avez bien saisi? Amen. Dieu ne va jamais le délivrer. La plupart de ce qui c'est parce que, écoutez, elle a le discernement. Il y a ce qu'on appelle les œuvres du diable et il y a ce qu'on appelle les œuvres de Satan. De Dieu. Les œuvres du diable et les œuvres de Dieu. Donc il faut avoir le discernement. De toute façon, le Dieu agit. C'est comme ça Satan agit. Or, quand on ne connaît pas Dieu, mais c'est fini. Nous, c'est nous donnons la possibilité à Satan de œuvrer pleinement dans notre vie. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Jésus a dit aux gens, qui est venu dans le Seigneur parce qu'il aime le Seigneur Jésus, d'aller l'adorer? Personne. On a tous fait des conneries. C'est pas un sorcier nous a coincé combien à l'église? Amen. Amen. Chacun son témoignage. Il y a des gens qui dorment dans bar Jack Daniel, jusqu'au matin. Un sorcier te met dans le pied, il veut te manger. Ah, tu cherches au rue d'église. Chacun de nous là, a un témoignage. Si ce n'est pas sorcier là, on peut pas aller à l'église. Chacun là, il voit son coup de cou. Jack Daniel en train de chercher les conneries. C'est à cause de sorcellerie. Bon, quand tu viens à l'église, c'est à cause des problèmes. Bon, on est venu à l'église. Mais il faut décanter la situation des gens. C'est vrai que Jésus revient. Mais celui à qui tu dis Jésus revient, il a un problème. Moi, ma foi, c'est parce que Jésus-Christ m'a délivré que ma foi est devenue grande en Jésus. Moi, je ne croyais pas en Jésus. Amen. Non, je ne croyais pas en Jésus. Moi, il y avait ma religion. Chez moi, Jésus, je ne pouvais pas imaginer que Jésus est vivant hein, et qu'il pourrait guérir les gens. Non, pour moi, ce n'est pas possible que Jésus guérisse les gens. Je voyais Jésus après le Noël, et puis c'est tout. Parce que la connaissance qu'est Jésus. Et puis j'avais peur des chrétiens. Parce que mon père a mis dans ma tête que si je parle trop à un chrétien, il va me faire le lavage de cerveau, puis le suis comme un mouton. Donc quand il voit ton monde, je vois, on ferme nos portails à nos dents. Ferme. Je dis là, c'est moi, je suis converti. J'ai dit aux gens, j'ai dit à Jésus, le jour tu vas me guérir, je crois en toi. Je crois en toi. Et puis j'ai dit, Jésus me guérit. C'est pour ça qu'aujourd'hui là, je peux crier haut et fort que Jésus guérit. Je peux crier haut et fort que Jésus délivre. Mon père est mort de la sorcellerie dont tu es. Mon frère, ma soeur, il restait moi. Et puis il y a eu la main de Jésus-Christ, me délivrer. Frère, Dieu peut encore nous délivrer. C'est pour ça que j'ai parlé à la dame. J'ai parlé à cette dame. Elle est venue la dernière fois. Vous savez, chacun Dieu, donc, moi je sais que je ne suis plus un homme comme les autres. Ça, je le suis convaincu. Parce qu'il est arrivé à un moment donné, je sais la connaissance qui se passe entre moi et Dieu. Moi, je sais. Dieu me fait voir des anges. Il y a des choses dans lesquelles je ne veux pas trop rentrer parce que c'est des intimités entre moi et Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir une alliance entre toi et Dieu. Dieu est trop réel dans ma vie, je sais. Amen. Amen. Je sais qu'il y a un détecteur dans ma tête. Hier, il a testé ça. Il a touché un petit peu de sorcier. Elle dit, il a brûlé le champ de mon papa. Il a attaché, il a mangé. Elle sort, qui crée un foutu. Partout, il y a un détecteur. Cette vieille-là, elle vient. Je lui dis, mamie, mon détecteur-là, il ne mange jamais. Tu es sorcier. Elle a tempêté dans la maison. Or, ils aiment bien faire ça. Vous dites que non, ça va sortir. Je dis, moi là, ça ne me prend pas. Je suis là, quelque chose dans ma tête. Si ça t'a pris, monte, descend. Elle dit non. Je l'ai rappelé la prochaine fois. Elle dit non, elle n'est pas sortie. Je lui dis, Mani, si tu jouais ça, Dieu va te frapper. D'ailleurs, comme tu ne veux plus parler, prends tes bagages et va-t'en. Mais façon d'en être parti là, tu vas revenir comme ça. Mais malade. La voici là. Viens. Regardez comme elle enflée. Comment t'es bien? Oui? Où est sa fille? Viens, viens interpréter. On se moque pas de Dieu.
Quand tu viens dans une église, on dit que tu es sorcier, tu dis non, tu n'es pas sorcière. Il faut lui dire, comment pourquoi elle est devenue comme ça? Elle est venue chez Jésus et dit quoi? Elle dit quoi? Je lui ai dit d'abord qu'elle est sorcière. Elle a dit quoi? Elle dit quoi? Elle dit qu'elle n'est pas sorcière. Je lui ai dit ça combien de fois? Elle dit trois fois. Et après, je lui ai dit quoi? Elle dit quoi? Elle a pas parti. Elle va venir comment? On a secoué, ils sont yamodini, secoué. On a. Elle dit que. S'enfler. Donc tu as vu ça maintenant? Tu as vu? Tu pouvais éviter ça. Faut lui dire ça. C'est ça que tu cherchais. Donc il est mon vêtement intérieur. Tu noyais ton petit foutu. Sans graine. Donc demande-lui, maintenant elle est sorcière. On a un groupe. Hein? Tu es sorcière. Depuis quand? Quel jour? C'est quel jour de nuit sorcier? Ceux-là, c'est la garde qui peut vivre. Si tu vois un sorcier parler, c'est que Dieu l'a coincé. Les bouches, ils peuvent te vendre. Donc tu es sorcier maintenant. Vrai. Ah. Vous dites le prophète, il ne croit pas. On a un prophète, on a envie. Hein? De croire. Il dit Saint Thomas. Elle dit croire. Elle a témoigné, elle a vu. De croire. Il ne croit pas. Dit Thomas. Elle dit le prophète à croire. De croire. Pourquoi? Tu dis que tu n'es pas sorcier. Donc je crois que tu n'es pas sorcier. De lui. C'est témoignage d'enflure là. Qui est là. Pour le prophète dit, il ne croit pas. Tu n'es pas sorcier. Vous partez. Pour le prophète dit, il n'est pas sorcier. Bon, il dit, il n'est pas sorcier. Elle dit, non, dites au prophète, il est sorcier. Aujourd'hui, que Dieu frappe tous vos sorciers au nom de Jésus. Châtiers vont respecter le Dieu que tu pries. Amen. Il faut que les gens se mettent en genoux. La Bible dit, tout genou fléchira. Tout genou doit fléchir devant la puissance et la seigneurie de Jésus-Christ. Vous n'êtes plus n'importe qui, vous êtes des moins. Dieu vous a choisi. Vous êtes ses enfants. Les démons qui ont l'œil sur vous là, je crève les yeux des sorciers. Donc, elle dit de quoi? Le prophète dit, vous ne voyez quoi plus. Il croit plus. Tu es sorcier. Hein? Toi aujourd'hui, tu es sorcier. Allez, viens te regarder. C'est moi, prophète, hein. La dernière fois, il était sorcier. Il dit non. Maintenant, tu es devenu sorcier. Depuis quel jour? Ça fait deux jours, bien avant, tu étais déjà. Demande-lui. On a. Il y a avant, depuis. Mais pourquoi elle disait non? Pourquoi elle disait non? Elle dit pour moi, bon. Elle dit non. Réponds-moi. Ça va, bon, il est en boucle. Ça va, bon, il est en boucle. C'est ça? Réponds. Elle dit pour lui, la guébore. On va tourner la page. Pourquoi? Elle a nié.
Elle a dit ça comme ça. Vous déviez Dieu. Vous déviez Dieu. Demande. Lève-toi. Donc tu as tué. Combien? Dix personnes. Tu les as mangées. Il y a bien de quelqu'un dedans, non, c'est pas parti. C'est la viande de qui? Elle a mangé Thérèse. C'est sa viande qui est restée peu dedans. Thérèse, là, c'est qui? C'est sa petite soeur. Non, ça veut dire que c'est pas tout le monde mange. Ma mère Thérèse, c'est ça? Ta mère, quelle partie de Thérèse? Mais pourquoi c'est resté dedans? Il n'a pas digéré. Pourquoi? Quelle sauce tu as fait là-bas? Hein? Sauce graine. En compagnie à quoi? Ça dit les pions, banane. Il n'y a pas ça ici. Oh, il y a un mot. Zon, non, un mot. Non, c'est pour la blague dimanche. Donc, c'est resté dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre? Tu avais tout ça à dire et puis tu niais. Tu as discuté. Faut lui demander. On te dit parle. La compréhension, ça te libère toi-même. Lève-toi. Hey. Elle dit quoi? Donc tu veux quoi maintenant? Tu as gâté qui? Tu as tué 10 personnes. Ils sont où? Ceux qu'elle a tués, ils sont où? Non, ils sont où? Ils sont pas vivants, ils sont maintenant où? Sous la terre ou ils sont quelque part? On ne peut pas aller où? On ne peut pas aller où? Bon, il faut dire que le prophète elle va les rejoindre. Comme ça, vous allez régler ça là-bas. On est d'accord? On a prophète Tu as peur de mourir et puis t'envoies les gens là-bas. C'est dangereux. Hein? Maintenant, tu as gâté la vie de qui? Moi, je ne sais pas. Faut dire les gens que tu as gâté. L'enfant de c'est qui? Son fils. Tes enfants ou bien un enfant? Elle a gâté deux enfants.
Si tu ne veux pas partir, sois parti. Hein. Tu ne veux pas parler. J'ai deux enfants. C'est qui? Moi et mon petit frère. Hein? Oui. Mathurin, c'est qui? Il est où? Il est à Dijon. Tu as gâté quoi dans la vie de Mathurin? Bah, ça, il est en saison. Oh, Dieu. Elle dit qu'elle a... vendu sa chance. Mmh. Oh. Il a vendu tous ses biens. Tu as vendu pour aller rester à quoi? Oh, tu as fait quoi sur lui? On a ça, non. Oh, dis-moi. Quel quoi? Quoi? On a ça, c'est ni manium. Oh, dis-moi, papa. Elle a gâté sa vie. Tu es une vendeuse. Elle est censée vendre. Adam, tu as gâté quoi dans la vie de celle-là? Elle, tu as gâté quoi dans sa vie? On était agréablement. Elle dit quoi? Hein? Donc tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour qu'elle n'ait pas qu'elle se marie? Vas-y. Et puis, au cas d'hier, il y a des gens qui ont été blessés. Ils ont été Caca de sorcellerie. Ta missionne. Ah bon? C'est ta fille, elle te donne à manger. Voilà, la yengre mo. On y a m'dide en die, non? On y a m'dide. Et puis tu fais ça. Même jusqu'aujourd'hui, j'ai à peine à wadem on y a m'dide. Et puis tu fais ça. On se m'utilise. Très bien d'elle. Et puis elle a fait ça. Voilà, on se m'en a ça. Bon, tu as cherché, tu as trouvé. Qui veut parler parmi vous? Viens, sorcière. Hein? Viens ici. Ici, on ne force personne. Hein? Alors, rapidement. Hein? Vraiment, je remercie. Non, laisse ce côté-là. Laisse bon Dieu. Non, laisse ça faire des bons dieux. Madame, il ne faut pas rentrer à gauche. Vous reconnaissez que vous êtes sorcière. Mm-hmm. Vous reconnaissez ça. Mm-hmm. Vous êtes prêt à parler ou pas? Oui, je suis prêt à parler. Vous reconnaissez que vous êtes sorcière. J'étais épinglé là. Oui. J'étais assise là, n'est-ce pas? Oui. Et puis il dit, madame, venez. Vous êtes sorcière. Oui. Vous reconnaissez ça au moins? Oui. Et qu'est-ce que vous voulez maintenant? Oui. Vous voulez qu'on vous délivre. Nous, là, le principe pour délivrer là, il faut que tu parles. Si tu discutes ce que tu as fait, on te délivre. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Je suis prêt. Je ne vous vois pas trop prêt. Viens. Tout ce que vous avez fait à vos enfants, est-ce que vous êtes prêts à dire ça? Monsieur, viens. Viens ta vieille là. Tu as fait quoi? J'ai pris sa chance. La chance de qui? Ma fille. Quelle fille?
Natacha. Hein? Natacha. Ah, maintenant, expliquez-vous. Natacha. Exprimez. C'est Natacha. Ta fille, vous pouvez dire. Exprime-toi, on ne te force pas, on ne te met pas sous une pression. Oui? Natacha. Elle s'appelle Natacha. Oui. Elle est où? Elle a un chance. Maintenant, comment vous avez pris sa chance? Bon. Parce que nous, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas au stade, j'ai pris sa chance. Non, hein, il faut rentrer dans les détails. Comment elle était où? Parce que chance, on ne voit pas. Toi, tu allais prendre ça comment? Et tu as gardé ça où? Pour qu'on puisse ramener. C'est tout ça qu'on a besoin. Parce que si tu as pris la chance, tu ne peux plus ramener. Nous, on peut prier pour que ça ramène. Donc, où tu as mis? Il faut que tu nous expliques. Elle est où, ta fille? Elle est en France. Hein? Elle est en France. Maintenant, comment tu as gardé sa chance? Il y a trop de choses à régler. Bon. Tu as ton groupe là, ton camp. Il y a beaucoup de choses. Mais on délivrance commence par parler. Mais oui, non, on est d'accord. Vous ne voyez pas? Donc vous avez pris la chance de votre fille comment? Je ne vois pas du tout. Non, maintenant vous avez pris la chance de votre fille comment? À vous force ou bien? Non, non. Ah, si on t'a forcé de venir t'asseoir là. Tu es libre, si on te dit que tu es sorti, tu peux dire non, tu es pas, tu t'en vas. Tu n'es pas obligé. N'est-ce pas? Ça ne bouge pas, madame. Mmh. Voilà, maintenant, vous dites ne voyez pas. Donc, nous, on retient quoi? Vous n'êtes pas dedans, c'est ça? Mmh. Vous n'êtes pas dans la sorcellerie? Je suis dedans. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Que je vais, je n'ai pas dedans. Donc, vous ne voyez pas, c'est ça? Sinon, c'est la attends, maman, je pose la question. Pas. Non, hey, bagan, il ne faut pas me distraire. On ne peut pas dans la journée, on ne peut pas la nuit. Et la nuit, elle prépare. Ça, ceux-là. Ça, ceux-là. Vous n'êtes pas sorcière. Hein? Vous voulez jouer mon coup? Vous perdez le temps. Si vous êtes sorcier, sorcier fait quoi? C'est comme on dit un coiffeur. Il fait quoi? Il a les cheveux. Tu es sorcier. Sorcier fait quoi? Donc, toi, tu tues. Je vous demande, c'est la question tellement simple. Non, je ne veux pas qu'on sente qu'on vous met sous une pression. On ne te force pas. Non, non. Eh, mais de toute façon, parler là, c'est comme si on était forcé. Si vous n'avez pas envie de parler, vous partez. Si. Je retiens quoi? Vous voulez parler pour être délivré, ou bien vous ne reconnaissez pas la sorcellerie, on vous libère. Vous rentrez chez vous. Je reconnais et délivré moi. Non, mais reconnais et délivré, si tu reconnais, il faut que tu parles. Oh, tu n'es pas prêt à parler. Si. Maintenant, parle. On t'écoute. Oui. Ne vous prenez pas le temps. Vous êtes libre ici, hein? On ne vous force pas. Ici, on ne s'écaisse pas les gens. De toi à moi, de qui on doit pardonner? Qui a attendu son camarade? Ah, puis moi, ils disent ce que tu as. Puis tu as dit c'est le prophète qui a dit, puis il a répondu seulement oui. Oui, oui. C'est vraiment que tu allais faire. C'est moi qui allais faire ta sorcellerie. C'est toi qui as fait ça, non? C'est toi qui as fait, non? Donc dis. On est fait ça ensemble. C'est toi qui as fait, non? Parle, on va te délivrer. C'est pas à moi d'aller faire. Quand tu faisais, il était là. Ah, mais pardon, pourquoi? Hein, pourquoi pardon? Les gens me disent que c'est pas comme ça fonctionne. Ça se fonde pas tout sur le principe de pardon. On te force. Non, il ne faut pas qu'on sente qu'on a tenté de forcer. Si ça a été mon comportement vraiment. Attends. C'est à toi de nous mélanger. Tu n'es pas sorcière. Sorcier fait quoi? Il tue. Il gâte. Donc c'est ce que vous avez fait. Non, donc vous ne voyez rien. Hein? Ah! Ça nous perd le temps. Laisse un peu de maquille là. On est dans un autre domaine, sorcellerie, maquille de sorcellerie là. Faut parler de ça. Faut laisser maquille de Makori. Mise maquille. Parlez pour ça. Tu es sorcier, hey, pardon. Quelqu'un t'a pas parlé de sorcier. Toi, tu es sorcier. Tu viens de dire tout à l'heure, tu as gâté ta fille, Natacha.
faut parler avant la délivrer. Tu rentres ici, tu rentres à gauche, tu vas à droite. Si tu ne peux pas parler, madame, pourquoi vous ne voulez pas parler? Allez, allez, salam. Ah non, non, allez, allez. Vous venez d'où, Abidjan, non? Allez-y. Non, allez-y. Vous ne voulez pas changer. Donc, allez-y. Mais tu déménages, je n'ai pourquoi. Bon, ta fille a enchaîné. Tu as gâté sa chance. Parce qu'il t'a dit. Hein? Et tu n'as pas envie de parler. Mais à qui on doit demander pardon? Ta fille, elle est bloquée. Ça te plaît? Mais lève-toi et parle. On est sur le principe pour être délivré et me demande pardon. Pour me distraire. Tu l'as attaché où? Elle est née cabri maintenant. Tu l'as attaché où? Regarde là. Tu l'as attaché où? En bas de l'acacia. En bas d'acacia. Acacia d'où? Au village là-bas, tu l'as attaché. En bas d'acacia, ta fille. Elle apparaît. Comment tu allais l'attacher? Tu l'as trouvé pour l'attacher. Quand elle était ici. Elle était ici. Et c'était pourquoi? Tu gagnais à quoi en l'attachant? Bon, comme tu sais que c'est l'esprit mauvais, dénonce l'esprit mauvais et puis c'est pas toi de lui. C'est l'esprit mauvais, non? Moi, on est dans quoi ça? Maintenant, pour ne plus composer avec lui, il faut dire ce que tu as fait et pour te faire sortir de la main de l'esprit mauvais. Hein? Pour ne pas faire grand chose. Pour ne pas faire quoi? Faire grand chose. Quel genre de chance? Mariage. Vous ne voulez pas que c'est marié? Donc tu as gâté ça. Comment? Parce que attaché dans arbre, ok. Mais gâté mariage, là, il faut expliquer. La vieille. Tu es délivré. Ah. Vous lui dites, elle est sorcière. Voilà. Ouais, la vieille est prête. Viens, traducteur. Non, pardon, viens. Viens, je veux se rendre. Non, mais ça dépend de la qualité. Voilà, c'est ça. Vous ne parlez pas du tout, on vous laisse. Hein? Tu n'as pas parlé? Ah non, tu n'as encore rien dit. Si je vous ai dit que il a attaché. Hein? Pour ne pas qu'elle se marie. Tu l'as attaché pour ne pas qu'elle se marie. Oui. C'est tout. Oui. C'est tout ce que vous avez fait comme sorcellerie. Depuis oui. Vous êtes là, qui vous a donné ça? C'est ma tante. Quelle tante? Elle n'a pas de nom. Petite sœur de. Elle n'a pas de nom, ta tante. Elle s'appelle Adjoa. Adjoa. C'est elle qui t'a donné ça? Elle t'a donné la sorcellerie. Oui. Et tu as fait quoi avec ça? Elle m'a lancé ça même si. Madame, allez-y, Abidjan. Moi, je vous délivre. Non, allez-y. Vous n'êtes pas voulu. Vous n'êtes pas prêt à délivrer. Allez-y. Allez-y, allez-y. Il dit que c'est toi qui lui as donné sorcellerie. Remets dans mon nom. Oui ou non d'abord, on va t'expliquer. Ah, oui d'abord tu veux rentrer ici pour bien expliquer. Oui ou non. Elle dit c'est elle qui lui a donné la société. Comment? Ça n'est pas en commun. Ça n'est pas en commun. Ça n'est pas en commun. Comment tu as donné sorcellerie? Elle demande, elle dit comment elle a élevé l'enfant, tout ça. Comment tu as donné la sorcellerie? Romain. Comment tu as donné la sorcellerie? C'est un plein midi. Romain, faut traduire. Romain, non. Midi, c'est un gars passé. Maman, au bout. Elle est plus belle. Oh, plus belle. Il y a plus belle. Il y a un gars passé. Ah, bah, au bout. Comment? Préparer un tuerie. Tu pleures pourquoi? Non, tu ne sais pas préparer. Pourquoi? Tu pleures pourquoi?
C'est parce qu'elle a fait ce qui me fait mal. Pourquoi je ne veux pas cause de ma délivrance. C'est ce que je sais que je vais. Mais allons-y alors rapidement. Voilà. Il y a plus de belles, il y a un cas à Bagna, au revoir, au revoir, au revoir, la casse. À Bagna, au revoir. Ça, non, vous m'en avez mis au tour, non. Non, demande-lui d'abord, il faut lui la casse, mais voilà. Un peu le midi, parce qu'on va à l'école, et quand nous sommes revenus de l'école, je suis revenu de l'école, moi et mes petits frères, il y a Eric Herman qui n'est pas là, qu'elle a fait les portes disparues. On était deux, nous sommes arrivés. Et un peu le midi, parce que plus belle elle prépare le midi. Elle prépare le midi. Plus belle c'est qui? C'est la femme de mon grand frère. Okay. Elle prépare le midi pour laisser le repas à son mari parce qu'il est au champ. Donc de là, elle nous a appelé. Parce que moi-même, elle m'a beaucoup m'envoyé. Ah, va payer tant. Tu manges, tu viens. Il y a tout le service là, tu vas manger. Donc c'est là qu'elle m'a servi. Pourquoi elle est arrivée là? Et qu'elle m'a donné. Elle m'a donné sauter sur moi aussi. Oui, elle a arrêté ça. Dis-lui ça. Mayo. Compenter pour sauter sur moi, il faut laisser ça. T'as compris? Tu t'as fait beau, beau. C'est comme ça. Avant de venir ici, là, je me prépare pour venir. Je vous ai tout géré d'abord avant d'être là. Ouais, on t'écoute. Oui, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a préparé. Non, elle l'a. Comment elle t'a donné? Laisse-moi te dire. Elle s'est entendue avec plus belle. C'est une tante. Avec plus belle. Puis elle est quittée. Maintenant, c'est plus belle qui s'est mise à la base de ça. Non. Tu as parlé du pain hier, la dernière fois. Qu'elle a vu. C'est ça, non? C'est... Non. C'est la sauce arachide. La sauce arachide avec du riz. Voilà. C'est elle qui t'a donné ça. Oui. Et quand tu as donné la sorcellerie, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle m'a donné la sorcellerie, dans la nuit, ils sont venus m'appeler. Elle t'a appelé? Elle est plus belle. Pourquoi ils sont venus m'appeler? Ils sont venus m'appeler. Oh le nom. Il a passé plus belle, il y a plus belle, mon piano, Benyou Seka. Au Diawazi, au Diawazi, au Diawazi, au Diawazi, Non, les gars, ils sont terribles. Hein? C'est des comédiens. C'est pas très. On s'en a beaucoup moqué là. On a mon nom. Non, pas accepte. Accepter, ça dit, bon, elle fait avec. Mais si elle reconnaît ça. Donc tu donnes sorcellerie aux gens? Donne pas à vous quoi. Réponds-moi. Attends, est-ce que tu veux que je te délivre? Est-ce que tu es prête? Parce que de toute façon tu es là. Est-ce que tu es prête à quitter son sonnerie? S'il te plaît. Tu es orgueilleux, tu es sorti. Tu veux quitter? Toi-même, t'as fait quoi? Moi, non.
Tu n'es pas sorcier. Tu n'es pas sorcier. Elle dit qu'elle a monté la sorcellerie à Omé. Ah, montrer sorcellerie à quelqu'un, c'est pas, c'est bon. Donc, elle n'a pas envie de montrer encore à quelqu'un d'autre pour la défendre. Ah non, tu ne réponds pas ma question. Tu as fait quoi? Lui, il a parlé, mais toi, tu as fait quoi? À part lui, là, tu as fait quoi? Voilà, Romé dit, vous me rendez. Tu as gâté quoi? Moi, je n'ai pas la question. Donc, vous êtes là, Romé, ils ont. C'est tout. C'est tout. Faut dire le prophète n'est pas délivré. Faut dire le prophète n'est pas délivré. Ça, moi, je dirais, on s'en. Moi, maman. On ne pense pas quelqu'un? Non, pas forcément. Donc, c'est pas moi, je dirais. À la force, oui, ton cœur bétait les trous, toi. Il faut dire qu'on a la force ou bien. Tu veux être délivré ou tu peux être délivré? Comment? Si tu ne parles pas, tu n'es pas délivré. Qu'est-ce qu'elle a fait à toi? Elle m'a chargé de gâter seulement que ma famille. Faut lui. Pour la mission, il n'y a pas de mission, je ne sais pas comment dire ça. Elle entend. Du bon, il n'y a pas de mission. Au Kayagima. Pour expliquer, elle attend d'abord. Elle m'a chargé de gâter seulement que ma famille. Mais explique ce que tu as fait. Maintenant, dès que je suis en train de me. Il faut dire qu'elle n'est pas au courant. Demande-lui. Est-ce qu'elle a essayé? Tu ne sais pas. Donc il ment sur toi. Attends, attends, attends. Moi, je vous suis rien. Donc il ment sur toi. Donc on a eu au Maya de Né. Oui ou non? Le jour, demandez-la le jour où il a reçu le coup sur sa bouche et c'est tombé ici-là. Si ce n'est pas elle qui nous a envoyé. Oh là là. Ma libre, la grand-mère, la papa, on a mon diable, il y a de la vie. On a mon diable, il y a de son nom. Mon nom, la vie, tu ne peux pas être délivré. Tu reconnais la sorcellerie? Tu reconnais? On a des dégouts, on va parler. Attends, tu reconnais? On a goût à parler. Tu reconnais. Tu reconnais. Tu reconnais avoir donné la sorcellerie. Tu reconnais avoir donné la sorcellerie. C'est le produit. On a dédé. Je reconnais. Non. Maintenant, pourquoi les autres, tu ne reconnais pas? Bon, moi je ne peux pas te délivrer. Non, non. Non, on ne peut pas parler. Elle n'a pas parlé. Va chez toi. Va là-bas. Non, je ne peux pas te délivrer. Tu me demandes pardon pourquoi? Elle n'a rien été en haut, c'est mon grand frère est en haut. Va. Allez, va. Faut le tourner au village, allez. Faut l'amener, enlever là ici. Enlever là ici. Non, enlever là. Ah, donc, tu sais, elle dit qu'elle a tué son. Non, mais vous. Non, mais c'est ok. Ça a voulu pas. Non, mais vous. Oh, moi, je me suis. C'est toi qui as tué René. Je ne vais pas René. Je ne vais pas René. Elle dit qu'elle reconnaît que c'est elle qui a tué son. Elle dit qu'elle reconnaît qu'elle a tué moi, mon grand frère. Comment? Ça va pas bon nom. Elle dit qu'elle a vu au monde, c'est que ça l'a tué. Comment? Ça va pas bon nom, René, ça va pas bon nom.
Bah, on dit le sucre, on va me saluer à la fin. On dit le sucre. Bon, Mayu. Ça, on va le balader, mais Mouni. Mon maman, là. Bah, dis que ça vous m'a dit ça. Hé, comment tu l'as tué? Ça, mais, tu l'as tué gourdin, tu l'as tué couteau. Comment tu l'as tué? Pas carbone, on est. Ou bien les capoules, on doit vous s'en aller. Ah, tu as vu. Bon, Non, allez, quittez le maman, allez. Allez, quittez. Non, quittez. Pourquoi? Tu mets un banan, pourquoi? Dis-moi ça, mais. Amar Boa. Amar Boa. Maman, il est que maman, quand même. Donc, on est fatigué, alors. Mais maintenant, tu ne parles pas. Il passe, il passe. Mais donc, va, tu ne vas pas aller. Regardez. Amar Boa. Amar Boa. Bon, comment tu l'appelles? Ça va pas, maman. Ici, on ne force pas quelqu'un. On t'a posé une fois question, deux fois question. Tu ne vas répondre, mais tu vas chez toi. Et qu'on avance. Il faut dire à la vieille à la partie. Madame. Bien. Faut dire à la vieille à ton témoignage. Tu avises à la. Là, tu vas te montrer ce qu'elle a vécu. Ta sœur là, elle était têtue comme toi, comme ça. Tu es têtue. Tu es têtue. Toi, c'est Kakuda. C'est toi, on va laver. C'est toi. C'est pas lui seul. C'est toi, on va laver. Elle est encore laver son fils. Son petit-fils. Mais c'est toi qu'on doit laver. Moi, y'a Bouddha. C'est toi qui envoie sur celui là-bas, non, c'est toi, on lave d'abord. Ma poule ni, moi, y'a Bouddha. Ah. Attends, non, moi, c'est né. On te force ou bien? On en a forcé là, moi. Mais ça, moi, tribouille, y'a moussa, non, ça, tribouille. Tu ne veux pas parler? Il faut partir. Ça va pas, hein? Elle est au. Vous êtes sorcier. Non, ceux-là. Elle a lancé la toux. Effectivement, il avait lancé. Comment elle a lancé la toux? Ça pas bon. Oui, qu'elle explique comment elle a lancé la toux. Comment tu as donné la tour? Bon, dis à la vieille, je ne peux plus la délivrer. Non, c'est bon. Va. Je te délivre plus, pas forcé. Va. Non, oui, le prophète dit la délivre plus. Comment il ne peut pas parler dans la partie? Bon, attends, je vais avancer, hein. Quittez devant moi. Allez-y. Non, mets la dehors, mets la dehors. Dans la partie. Quelqu'un ne veut pas parler, on ne te délivre pas. Moi, allez-y. Qui veut parler? Tous ceux qui veulent parler, venez. Quoi? Toi, faut partir. Tu ne parles pas où? Tu as fait quoi? Donc, comme tu ne vois pas. Madame, quittez devant moi. Vous n'êtes pas envie de. Mais justement, il veut t'enlever. Mais ce que tu as fait là, c'est ce que tu dois dire. Tu reconnais la sorcellerie? Tu reconnais. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as dit quoi? Tu dis ça, je dis. Hein? Tu as attaché ta fille, prévois, c'est marié. Tu n'as pas encore tout dit. Allez, va. Va à la maison. Tu viens d'Abidjan, on peut partir. Ne délivre pas. Mais pendant pourquoi? Quitte maman, allez, quitte maman. Quitte maman. Monsieur, venez. Laissez-moi, hé. Qui devant moi, il fait mon travail.
mettez-vous là comme ça. Vous n'avez pas de parler, laissez-moi, il y a mon sec. Il y a beaucoup de gens qui doivent recevoir. Vous êtes sorcier. Dites votre nom et allons-y. Hein? Vous venez d'où? Hein? C'est où ça? Allez-y, vous écoutez. Bon. C'est monsieur qui s'appelait. Monsieur, parlez avec beaucoup de sérieux, hein, parlez avec beaucoup de sérieux. Vous êtes là en train de fumer. Et monsieur, du côté de mon papa, il s'appelait Nguessa Paul. Bon, à mon enfance, à l'âge de 12 ans, on partait au champ. Moi, avec mes soeurs, mes frères, on les a croisés sur la route. Il avait une blouse. Faut prendre ta maman. Là. Alors mes frères ont dit que le pays n'a pas soif. Quand j'étais enfant, j'étais tué, j'ai dit bon, moi je suis arrivé. Nous que j'ai vu, je n'avais pas pu rentrer dans mon monde. Là, est arrivé dans mon monde. Quand j'ai pleuré, on est arrivé au village, on m'a demandé. Mais le pasteur, Monsieur, vous êtes né sorcier comme moi. Vous êtes, c'est trop long. Oui, si. Vous avez mangé l'homme. J'ai mangé l'homme. Combien? 35. 35 personnes. 35. Regardez là. Comment vous tuez les gens? Moi, je suis un chasseur. Comment vous tuez? Un fusil. Vous avez vu les sorcelleries? Oui. Comment vous tuez? Je tue quand je... Mais expliquez-nous comment vous avez tué les 35 personnes. Vous avez tué comment? Bon, on les transforme soit en animal. Donnez-moi le nom des 5 personnes que vous avez tuées. J'ai tué tout de moi. Je descends à haut. Et à moins, Edith. Et ta maman là, elle sent déjà cadavre. Madame, sautez. Oui. Viens chercher ta maman. Là, c'est cadavre. Allez, va chez ta fille. Serge. Viens saluer tous ceux qui sont là-bas. Hein. Le fils de ma fille. Pour l'accompagner. On est que l'avion en train de venir. Air Mortani. L'avion n'est plus loin. Là. Là, il ne prie pas pour sortir, Dieu est en train de frapper. Non, non, non. Dieu a vu pour la frapper. Vous savez, il y a une chose. La Bible dit Dieu endurcit le cœur de Pharaon pour ne pas qu'il se répande. Vous avez compris? Il y a des gens, Dieu ne voit jamais vouloir qu'il se répande. Donc, un cœur qui endurcit, c'est Dieu qui fait ça. Ce que Dieu voulait faire, il l'a fait. Donc, moi, je ne suis pas obligé de prier pour que Dieu la délivre. On l'a attendu, elle a fait 2 semaines ici. Elle se cache. Quand il a de quoi, elle la chasse, elle se cache. Elle ne voulait pas. Elle est partie, Dieu l'a frappée. Le salaire du péché. Allons-y. J'ai cité les 5 personnes. J'ai cité les 5 personnes. Bon, cite encore 20 personnes. 15, t'as déjà t'as tué 35. Au village, dans la société, là, tu es quoi? Tu es dans la confrérie, tu es quoi là-bas? J'ai dit, je suis un chasseur. Tu n'es pas responsable de la confrérie? Je toi? Non, je ne suis pas. Tu n'es pas patron de la confrérie? Et papa dit la toi, tu es patron. Tu es responsable de la confrérie. Il ne faut pas jouer avec moi. Pardon. Pardon. Sinon, ça devient un semblant d'aveu. Parce que souvent, quand vous venez ici, vous n'êtes pas trop sincère. Vous dites un peu, vous cachez un peu. C'est pour ça que le détecteur là, pour vous détecter, ce que vous ne dites pas là, moi je parle. Toi, tu es responsable du conflit. Oui, quand on m'a demandé de donner une personne. Non, non, non. Je dis tu es responsable d'une conflit. Ils t'ont donné corne. Corne que tu as là. Ce n'est pas physique, c'est corne. Quand tu suis dans corne, ça sort comme flèche, ça va piquer ta victime. C'est pas comme ça que tu fais. C'est pas ça que tu fais. Oui. Alors, comment j'ai su ça? Comment j'ai su ça? C'est ça, j'ai appelé mon fusil.
C'est ça d'appeler le fusil là. C'est quel village même? C'est Dabou, après Irubouya. Hein? Après Irubouya. Où est ton canari qui est comme caméra là, vous savez? Tu as une caméra, c'est comme canari, celle-là. C'est en terre. C'est dans ça que tu vois tout le monde, puis tu les tues. Tu les appelles, c'est un canari. Où c'est? Ton village. On peut aller déterrer ça? Ok, merci. Il faut noter ça, on va aller déterrer ça. La semaine prochaine, on va déterrer le canari, la vieille. Là. Hé, canari, là! Canari, là! On a une idée. Tu as attaché combien de personnes? Non. Tu as attaché 10 personnes? Tu as attaché 6 personnes. 6 personnes. Il y a 2 qui vont mourir en avril, il y a 2 qui vont mourir en août, puis il y a 2 qui vont mourir en décembre. C'est 6 personnes. Vrai ou faux? Hein? Et puis tu joues. Tu rentres ici. Ou bien c'est ce qu'on ne peut pas vous dire, ce que vous faites là. Faut qu'on arrive chez vous là-bas parce qu'ils sont très dangereux. Voilà, ils sont très dangereux. Lui là, c'est un dangereux. Hein. C'est un sniper, on le loupe pour aller tuer les gens. On ne te loupe pas. Hein? On te loupe pour aller tuer les gens. Va t'asseoir là-bas, il n'y a pas encore fini. Va t'asseoir. Toi là, tu as beaucoup de choses à dire. Allez, va t'asseoir là-bas. Toi, tu es chasseur, tu es dozo, mais. Il est dangereux, lui, là. Le canari qu'il a, là, c'est dangereux. C'est les canaris qu'on on cherche. Voilà, parce que les canaris comme ça, quand c'est quelque part là, vous n'allez pas avoir le bonheur. C'est un canari très dangereux. C'est pour ça qu'on le loue, le pouvoir qu'il a, la corne qu'il a, là. Vous allez prendre ça, puis envoyer ça. Non, ça, c'est un petit sorcier. Vous, un petit sorcier, vous faites là, vous prenez ce pouvoir, ça. Vous allez chercher le pouvoir de Dieu, vous cherchez manger chair humaine. C'est travail, ça. Vos amis créent Air France, Air Bruxelles. Vous créez Air Tofla. Ça va si j'ai la Air Tofla. C'est un petit balai. Elle va à Paris 15 minutes. Et c'est 15 minutes. La formule 15 minutes. La montrer ça à Bouing. Non, on peut se fatiguer. Rester dans l'ambiance 6 heures, on se lève, on est fatigué. 15 minutes, on est à Paris, on est content. On va aller travailler pour revenir. Oh, vous allez ça vous cacher. Ça ne profite qu'à vous seul. C'est dangereux. T'es sorcière? Oui, d'ailleurs. Oui. Tu as fait quoi et quoi? C'est là, le clair. Tu viens d'où? Ah, ma fille, elle vient à Bélé. Le Bélé. Oui, où ça va? À Bélé, le fils de ma mère. Ça va? Alors? Non, viens. Viens, il faut qu'il explique. Il faut qu'il explique un peu devant tout le monde. Voilà, faut que les gens, faut que la nation comprenne l'action qu'ils tentaient de mener. Bonsoir. Voilà, ça va. Lui, il est responsable, l'un des responsables de l'orphelinat de Gagnon. Comment on appelle ça? Emmanuel. Orphelinat Emmanuel. Nous travaillons en collaboration. Un jour, l'orphelinat était envoûté pour aller délivrer les enfants de l'orphelinat. Donc, la petite là, viens ici. Tu as quel âge? Ok. La petite là, c'est les policiers, c'est ça non? Non, je t'explique d'abord comment tu m'as contacté. Il a dit, m'a appelé pour dire les policiers l'ont trouvé au corridor, c'est ça? Puis les gens l'ont récupéré, puis l'ont envoyé à l'orphelinat. Il t'avérait qu'elle a une histoire de sorcellerie, c'est ça, non? C'est ça, papa. Elle a une histoire de sorcellerie. Et tu as fait combien de temps au camp? L'année passée. Tu as duré là-bas? 2 ans. 2 ans dans un camp de prière. Voilà, donc ça veut dire 3 ans n'est pas délivré. Donc lui, sachant la spécialité du ministère, parce qu'on travaille ensemble, il m'a appelé. Je lui ai dit non, c'est 5 minutes. Pour envoyer là. Si vous l'envoyez, non, on n'a pas besoin de dire. Pourquoi dire un démon? Vous banalisez la puissance de Dieu. Donc on l'a envoyé. Parce que c'est une fille en détresse. Et j'ai dit aussi, envoyez-la. Comme ça, si on la délivre, on va la garder dans notre orphelinat. Elle va aller à l'école. Tu as envie d'aller à l'école? Non, on va vous filmer, nous on filme ici, hein, donc ça vous gêne pas. Hein? Ok. Ouais, c'est votre enfant? Hein? Ouais. Quelle est son histoire? Je suis le prophète Crasso. Il m'a appelé. J'ai vu que c'était une fille en détresse. Il faut aider les enfants. La sorcellerie, on n'achète pas. La petite, vous voyez là, elle n'est pas allée acheter la sorcellerie.
Si elle a contacté la sorcellerie, c'est qu'on l'a initiée. Donc c'est le diable à qui on en veut. Elle, c'est une vie à sauver. Elle ne peut pas traîner tout le temps sans aller à l'école. Elle a son avenir. Il faut l'éduquer. L'enfant a droit à la protection. L'enfant a droit à l'éducation. L'enfant a droit à un droit. L'enfant a droit à un environnement pour grandir à l'aise. C'est pour ça que nous nous battons pour ça. Parce que la fille qu'on méprise aujourd'hui, elle peut devenir ministre des maires de l'éducation. Ça va te profiter. Ça va profiter de la Côte d'Ivoire. Ça va profiter au monde entier. Pour l'heure, on la voit peut-être sorcière, mais elle peut être délivrée. Donc quand il m'a dit ça, il dit, bon, emmène-la. Nous, on va la délivrer. Comme vous avez Ophéna, nous, mon cher, on a Ophéna là. Je vais la délivrer. Et puis, on va créer un environnement pour que ça soit comme une histoire passée. Voilà. Donc, il faut nous expliquer son histoire. C'est pour vous venir en aide, on va vous aider. Parce que vous n'avez pas aussi le pouvoir de la délivrer. L'envie de pouvoir la délivrer, vous amener dans des camps, et les gens n'ont pas pu. Là, c'est pas leur spécialité. Chacun a sa spécialité. Voilà, donc pour nous, c'est une vie qu'on doit sauver. Voilà, il faut qu'on la sauve. Ça, c'est important pour nous. Dans un premier temps, il faut qu'on la sauve. On crée un environnement pour qu'elle puisse grandir à l'aise, qu'elle doit cette occasion d'aller à l'école. Et moi, je ne vous en veux pas. Parce que la société aujourd'hui, là, ça fait peur. Quand on dit quelqu'un sorcier, ça fait peur. C'est pour ça que vous vivez dans la même maison, quand on dit quelqu'un qui égorge quelqu'un, ça fait peur. Oui, c'est panique. Dans un premier temps, tu vas paniquer. Ce n'est pas comme nous qui maîtrisons le sujet, que ça nous dit rien, on peut dormir sorcier. Pour quelqu'un qui ne maîtrise pas, qu'on lui dit sorcier, il a peur. Donc c'est dans cette débandade-là que tu l'as envoyé quelque part, et ça crée ce que ça pouvait créer. Donc toi aussi, on ne t'en veut pas, mais il y a une vie à sauver, il faut qu'on la sauve. Voilà. Donc tu expliques son histoire, nous on va la récupérer avec votre accord. On aura l'occasion de vous montrer notre orphelinat. Quand sera délivré, sera l'orphelinat. Vous allez venir constamment voir comment elle grandit dans le Seigneur. Parce qu'on va s'occuper aussi de sa spiritualité. Ouais. Ok. Voilà, donc c'est ma fille. Ok. J'étais en habitant avec elle. Je suis dans la sécurité. Ok. Donc, sa mère, c'est une jeune fille baoulée, qui okay. a son âme. Elle est morte, sa mère. Oui, il y a 3 ans de cela, elle a touché sa mère. C'est toi qui as tué maman. Hein? Tu as tué maman. Ok. Donc, sa mère a touché, elle a tué et l'enfant et la mère. Ah, maman est enceinte. Elle voulait accoucher, tu l'as tué. Ok. Donc, moi, elle a aussi également atteint, mais elle utilise comme le temps son mari. Ah, et tu souhaites, papa? Donc, tu fais l'amour à lui. Hein? Faut répondre oui. Oui. Elle, elle a donc touché à mon service. Aujourd'hui, mon service, elle a paralysé ça pour que je sois misérable. Et on lui demande maintenant de me retirer. Donc, on lui demande de me livrer maintenant pour qu'elle soit sur le trône. Elle dit que bon, elle a remarqué que je l'ai beaucoup aimé. Et donc, elle a refusé de calmer, de me tuer en attendant. Elle a donné donc ses menstrues et moi, tous mes biens pour que je sois en vie et misérable. Voilà, donc depuis là, moi je ne travaille plus chez le village, je suis en train de tourner un peu partout avec la délivrance. Fait, je crois que je vais dans la troisième année. La troisième année n'est pas encore délivrée. Elle n'est pas délivrée. Et là où elle était tout le temps, elle s'évade, c'est comme ça qu'elle s'est évadée. Et puis elle était retournée. Oui, mais si elle n'est pas à l'aise dans un environnement, elle n'est pas à l'aise. On l'enchaîne là-bas, donc quand. Ah, non, ici on enchaîne pas. On enlève la chaîne, elle fuit. Oui, c'est vrai. Oui. Ça va? Moi je t'aime beaucoup. T'as compris? Je suis le prophète Crasso. Je suis le papa de tous les nénés, nénés, nénés. Ouais, chef. On va te délivrer. T'as compris? Mais on ne mange pas papa. Regarde, toi-même quand tu regardes l'esprit, la vie de papa, ça veut dire que c'est pas bon. T'as vu comment la sorcellerie souvent te blague. C'est ça, elle vous blague, ils vous font miroiter des choses. À soi, c'est un trône, ça fait, c'est quoi? C'est quoi par rapport à son papa travail et puis demain, il va te donner un bien-être. Au fait, c'est ça aussi les gens... abuse, c'est-à-dire l'ignorance des enfants. Ouais. Profite de ça pour les détruire. Voilà. On va la délivrer. Jusqu'à demain. Parce que demain, elle sera délivrée. Nous, on n'attend pas 2 ans. Ah. Tu seras toi-même délivré. C'est que on va faire. L'enfant sera délivré. Propre. Tu es tombé sur le bon chemin. Ouais, c'est Dieu qui t'a conduit. Moi, je suis le spécialiste. Voilà, voilà. Donc, quand j'ai appelé. On a délivré l'orphelinat, j'ai mouillé un autre. C'est le meilleur enfant de Gagnon. Cette année, la première de tout enfant Jésus vient de l'orphelinat, 1754 de moyenne. On a pas de problème. La vidéo est là. La délivrance, on allait faire à l'orphelinat, tout ça.
Voilà, il faut, faut aider les gens que de les jeter. Voilà. Je lui ai dit qu'on on ira à Divo chez le prophète. Dès qu'on va à Divo, ça va prendre fin. Cette histoire de sorcellerie, on enchaîne l'enfant, tout ça. Nous, tout ça nous fait mal. On finit avec eux. Mais on n'a pas ce pouvoir de la vie. Allez, Maté, t'es sorcier là. Va t'asseoir. Ton âge, tu dois m'exclure. Sois béni, hein. Tu vas assister à la délivrance tout à l'heure. Voilà, entre bien, que Dieu te bénisse. Salut tous les enfants. D'accord, donc vous pouvez partir. Ouais, vas-y, 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 que Dieu te bénisse. Tu as touché, tu as béni. Ouais, amen, amen, t'es béni, t'es béni. Amen, va. Vous voyez, il faut mieux aider les gens. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Si tu allais, envoie-les. Ouais, je les envoie. On va les nettoyer. Il faut aider les gens, c'est important. Amen. Là, c'est nous, vous voyez, il peut devenir grand. Vous savez que vous voyez là. Elle peut devenir ministre demain. Elle peut nous aider. Ça va? Tu t'enchaînes, hein? Très cabri. Faut être amour, hein. Ça c'est important. Il faut que Dieu nous donne une dimension d'amour avant de regarder un être humain et puis l'aimer comme nous-mêmes. Il faut arriver à ce stade-là. C'est ça la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah oui. Moi je peux faire 10 mètres, 100 mètres. C'est ça mon problème. Quand je suis à mon chauffeur, il lui demande, gars, il y en a l'argent, il donne. Gars, c'est comme ça que je suis. Parce qu'il voit que le monsieur qui a été marché, il a un problème d'argent. Donc j'ai vidé ma poche. Avant d'arriver chez moi à la maison à Abidjan, ma poche est déjà vide. Puis Dieu remplace ça. Amen. Ah oui, c'est comme ça. Ça va? Tu as mangé? Tu as mangé quoi? Le miam, son mort. Tu as rassasié. Après, tu as mangé maca, tu as compris? Au restaurant. Et c'est maca là, c'est pendant la fête. Si tu en as pas macaroni, c'est sa fête, tu as gagné. Tu as mangé tout à l'heure, t'as compris? Viens manger, en chasser l'esprit, tu seras délivré. On va te mettre à l'orphelinat. Au fait, c'est pour cela qu'on a créé l'orphelinat. Parce que tous les enfants étaient débordés ici. Ils ne pouvaient pas grandir dans l'environnement ici. C'était vraiment ça, ça urgeait. Il fallait créer l'orphelinat rapidement. Mais souvent, les gens, quand ils font la délivrance, ils disparaissent, puis ils laissent les enfants. Mais l'enfant n'a pas grandi ici. Il faut donner un bien-être à un enfant dans tout. C'est ce qu'on a créé l'orphelinat. Pour que les enfants, vous voyez là, c'est l'avenir de demain, il faut les protéger. Voilà, il faut les protéger. La sorcellerie, c'est, mais on peut délivrer de la sorcellerie et devenir meilleur. Oui, madame, c'est toi qui as un tout là. Où est l'avion? Qu'est-ce qu'elle n'avait pas encore dit? Qu'est-ce qu'elle n'avait pas encore dit? Elle a tué les deux enfants de son fils. Comment il s'appelle ton fils? Celui-là. Quel enfant? Elle a marié tes enfants? Lui a deux. Et quelle sauce? Il est Zaka. Zaka. Sauce graine. Foutou. Banane mûre. Bon. Tout à manger là, c'est combien? Les hommes. Eh, hey, faut parler, hein? Elle a tué 27 personnes. 1, 2, 3, 27. Donc tu es reine là-bas? Il y en a deux coréens. Elle oui. Tu fais comme tu fais parler avec lui. Et tu fais quoi encore? Et lui, t'as gâté quoi? À pas manger tes enfants là? Tu l'as gâté quoi? Elle est très là. Elle dit c'est sa petite soeur qui l'a gâté. Elle a confié dans sa soeur. Elle est morte. Elle est vieille. C'est ton cheval. Mais elle était là. Il doit finir. Lui, là, il savait qu'il était sorcier. Sorcière. Il savait ça. Demande-lui. Ebena, elle s'est mangée dans une brise. Tu vois. Comment elle a su ça? Écrivez à une magie. C'est pas moi qui ai vu ça. C'est toi qui as vu ça. C'est ton cheval, lui, là. Cheval. Non, on appelle ça Sokopani. Maintenant, il apprend dans l'anglais. C'est trop bon. Français, c'est pas pour moi. C'est la vérité. Hein?
Donc moi, je parle, tu dis c'est vrai. Je parle, tu dis c'est vrai. Il faut dire. Il est de hier, il me fait dire. Il est ma fille, il veut tout. Elle dit, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit quoi? Cheval. Excuse-moi. Mais pourquoi? C'est pas elle qui a dit, c'est moi. Il est là, il y a là, il est venu à faire la fille. Hein? Je suis là. Tu as fait quoi? T'es en train de tourner ici, Je dois recevoir les gens tout seul là. Il y a des réceptions en fait. Mais il est très là, tu vois. Ouais. Elle a gâté ma vie. Elle a fait quoi, ta vie? Même elle me crée. Monsieur, venez. Oui, là. Baba. Mais elle me dit, c'est toi qui es madame. Toi qui es madame. C'est elle qui est monsieur. Tu t'es renversé là-bas. Faut lui demander. Lui, là, il est comment là-bas? Il est toujours là, mais comme une caga. Lui, il est quoi là-bas? Il est quoi là-bas? Il n'a pas bien compris. Tu fais quoi lui? Lui, il dort. Madame, il met son bras gauche sur sa femme. Or, c'est lui qui est femme. Elle est garçon. C'est ça? Hein? Lui, les femmes, toi, des garçons. Hein? Eh, monsieur. Ton cœur. Son cœur chauve, hein? Il y a un gros. Son cœur chauve un coup. Ça, c'est la. Si la tête, tu peux la frapper, mais assis en haut là, tu peux la frapper. Spirituel, là, c'est quoi te montrer? Coup de poing, tu vas avoir cancer des poumons. Allez, bosquer tes poumons. Si on lui paye, elle va gagner. Là, c'est le combat, il est spirituel. Et puis, tu as fait quoi, monsieur, là? C'est ça que quand tu veux marier une femme, pour bien marier, oh. Vous voyez les gens, les femmes, par exemple, tu prends du mari. Elle a la même grenée dans son corps. Dans son corps. Ouais. Comment tu as fait? Je vais créer avant. Je vais créer avant. Tu es malade, tu as dit combien de temps? Elle dit que mon papa est un ami à la tienne. Elle a ce qu'elle a fait là. Elle a fait quoi lui, monsieur? C'est ce qu'elle a dit là. C'est ce qu'elle a entendu dire. Elle dit là, mon papa allait prendre un médicament. Il est dit, le mettre dans son corps. C'est là qu'elle a profité. Elle est pour mettre en pirigeot là. Voilà, c'est là qu'elle a profité. C'est pirigeot là. Hein? Voilà. Pirigeot 25. Voilà. Et elle, c'est pirigeot, tu as mis dedans. Voilà. Je te demande. Oui, mais la carte à l'heure, la carte prendre. Nous, tous nos moments là, combat français. Donc, dans Pirigeot 25, tu as mis dedans. Ah, vous avez compris. Celui qui écrase son médicament là, il faut délivrer le Pirigeot avant de faire ton truc là. Délivre le Pirigeot. Tu mets l'onction d'huile sur le Pirigeot. Comme ça, tu es à l'aise après. Donc, et puis tu as rendu ton mari malade. Oui, il a manqué dehors. Et ça te fait quoi? Le monsieur, le pauvre monsieur. Il a dit, le pauvre monsieur.
Ah, tu es content, tu on t'a pas poussé, tu n'as pas fait exprès. Tu es consciente, c'est une manière consciente, tu l'as fait. C'est ton mari, non? Il t'achète les pains. Le sol loyer, non? Ou bien, toi, maintenant, tu vas acheter les pains. Allez, oui. Je vais acheter le pain de monsieur. Le roi se vendait à leur marché. Habiller sa femme. Tu as fait quoi encore? Je mets le bien que la signe. C'est fini. Tu as vu la femme qui a enflé? D'ailleurs, vous me faites. Oui, bien, pour un guillot. Fais-le en avoir appelé un bruit dans mes mains. Il y a un guillot, mal et un bruit dans vos poignets. Il y a un guillot dans un cas. Elle dit quoi? Elle dit, elle est sorcière. Puis, j'ai dit, tu es sorcière. Elle a juré que c'est la sorcière. Non? Elle dit quoi? J'ai pas senti. Tout. Je recevoir les gens là. J'ai beaucoup de boulot à faire. Non, mais je vais te. Elle dit qu'elle est sorcière. Mm-hmm. Mais là, quand elle a dit qu'elle est sorcière, elle allait gérer qu'elle n'est pas sorcière. Pourquoi la femme l'a enflé là? Parce que tu lui as demandé si elle est sorcière. Elle dit non, qu'elle n'est pas sorcière. Ah. Quand elle est partie là, pour les gens, elle a enflé. Ah, donc elle, comme elle a tout dit, elle va s'enfler. Ah, c'est ça. Oh, tu n'as rien dit. Tu n'as pas tout dit. Mais là, oui, papa fait. Hein. Qui t'a tout dit, ça va? Le papa fait là, il a dit d'abri. Comment voulez-vous? Il y a un petit truc, tu n'as pas dit. Hein? Attends, elle est sainte pour la tu dis ça? Elle a magué à tête rouge, c'est ce qu'elle envoie en mission. Lui, il envoie toutes les informations. Elle a magué à tête rouge, magué. Quand il veut avoir une information, elle envoie le magué à prendre l'information. Elle a ça. Elle n'a pas dit ça. Et le jour où matin il est, je voulais, il veut vous voir, oui, mince. Et vous voyez dans la fille. Elle dit quoi? Elle dit là, ça vraiment. Mais faut dire. Va t'asseoir. Ah, d'accord. Va t'asseoir, demain on te livre. Demain on fait ça. Oui, t'asseoir, chien. Tu as fait quoi? Hein? Comment elle t'a donné ta camarade? Hein? Tu n'as pas eu de parler. Qui? Mmh. C'est tout. On t'écoute. Vous voulez parler? Viens ici. C'est tout ce que tu as fait? Mais vas-y ou bien? Mais oui, t'as attaché quelques des personnes, ils n'ont pas de nom. Hein? Attends, tu n'as pas envie de parler ou bien? Elle est avec ici. Où est sa maman? Bien. Tu veux parler? Tu dis quoi? Hein? Bah, allons-y. La nounou de mon cousin. Hein? La nounou de mon cousin. La nounou de quoi? Ma cousine. Qui a fait quoi? Ma nounou. À quoi? La sorcellerie. Comment il t'a donné la sorcellerie, la nounou? Je me dis qu'elle est venue à nous. Elle est venue avec. En fait, c'était un peu. La nounou, elle s'appelle Adé. Premier jour qu'elle est venue où? Elle est venue chez nous. D'abord, c'était. La fête malheureuse, elle s'adopte à vous. Elle est venue. Elle dit à vous. Il y a vu, il y a vu. Elle est venue maintenant. Ça y est, elle est venue. Elle est appelée Adé. Elle est venue faire quoi? Elle est venue. Elle a dit qu'elle est venue. Elle 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 est venue.
tu as dit que ma maman était parce que ma tante, elle est maîtresse, elle va jouer ta vie. Elle dit que non, il dit que tu as mis. Et puis elle dit que bien, elle dit non, que ma maman dit que si, tu ne peux pas te mettre à nous. Et puis elle dit, mais maintenant, Denis, c'est normal, tu peux t'en mettre. On n'est pas seul. Ma maman dit qu'il ne faut pas qu'elle mange. Et puis elle dit, laisse-moi qu'elle allait en bas, parce qu'elle ne peut pas qu'elle me fâche. Ça, elle dit, comme, t'es avec une maintenant, puis nous, on a les visas. Tu nous maintenant, donc ça fait rire. Et puis maman va rire dessus, ma papa va me crier dessus. Donc il y a maintenant, il y a dit maintenant. Donc la nuit maintenant. Quand tu as mangé, il y a eu des douleurs. Des douleurs. Arrivé ici, je ne peux pas. Quand je pense que ça ne descend pas. C'est du coup, allez, t'as bien l'air dur. T'as bien l'air dur, quoi. C'est bien l'éléphant, bien. Et puis il faut quitter avec quelqu'un pour se moquer des jeunes. Et puis non, toi tu n'es pas clair. Et puis on a commencé à rire. Donc après la fête, maintenant, ça allait dormir chez mon papa maintenant. Et puis elle allait chez ma tante là-bas. Mm-hmm. Donc la nuit maintenant, quand je dors maintenant, j'entends que j'ai un truc qui me poussait en fait, je ne vais pas me lever. Le lendemain, je suis venue se lever. Allez, t'as vu qu'il parle de bon, tu as fait quoi? Elle t'a donné, il y a eu quoi après? Non, après quand j'ai dormi, je me suis réveillé d'un camp. Oui. On courait des gens en rouge, en rouge et noir. Et puis ils ont dit quoi? Ils ont demandé qui l'a envoyé. Mm-hmm. Et c'est la lève, ça m'a permis de commencer à pleurer. Ah, c'est quoi ça là? Et puis ils ont fait quoi après? Ils m'ont donné une routine, ils m'ont demandé. Ça, il a dit, moi, de venir manger. Je dis, de manger quand même. Tu as mangé? Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? C'est la suite là. Tout cela, c'est les signes d'initiation. Elle est en train de se dédoubler là. Comment aller? Comment aller? Allons-y. Tu es sorcière. C'est ta fille. 5 minutes seulement sera délivrée. Tout dépend d'elle. Il y a longtemps vous êtes ici. Elle parle, on prie pour elle et finisse. 5 minutes seulement. Allons-y. Oui, ta camarade c'est qui? Quel camarade t'a donné? Comment elle t'a donné? Tu es devenu sorcière comment? Tu allais tuer qui? Tu as gâté qui? En 10 minutes, c'est fini. On en connaît son nom. Tu ne veux pas être délivré. Tu n'as pas été délivré. Hein? Hein? Mais tu es là pour parler. Qui t'empêche? La puissance. Comme. Allez. Allez. Lâche-la. 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 Allez. Au nom de Jésus, je détruis ton pouvoir. Puissance de la sorcellerie. 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 Ce corps ne t'appartient pas. Tu libères son âme. Tu libères son âme. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Parce qu'il y a deux choses. Hein. Quand un sorcier commence à parler, il faut le délivrer. C'est qu'il y a un démon en lui. C'est le démon là qui fait de lui sorcier. Or, s'il fait des aveux, qui n'est pas délivré, si ne chassez pas le démon. Si vous voyez quelqu'un qui fait des aveux devant un pasteur, devant, et puis on ne le délivre pas de ce démon comme on est en train de faire, la personne est toujours sorcière. Parce que des aveux ne délivrent pas quelqu'un de la sorcellerie.
Maintenant, la personne a parlé, elle est possédée. Vous savez que le démon est là, il faut chasser. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Si le démon sort, c'est fini. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Comment aller? Lâche-la. Lâche-la. Quitte sa vie. La puissance de Dieu, la puissance de Jésus te libère aujourd'hui. Lâche-la. 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 C'est un ordre. Tu vas libérer sa vie. Tu vas libérer sa vie. Tu vas libérer. Lâche-la. Lâche-la. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Envoie la délivrance. Je t'ai demandé de partir. Non, c'est comme si on te gardait dans un coin. Oh, si tu t'en veux de partir, va faire tes choses. Hein? Vous voulez quoi? Vous voulez le quitter dans quoi? Vous voulez quitter dans quoi? Vous voulez quitter dans la sorcellerie? Comment on quitte dans la sorcellerie? Comment chez vous on quitte dans la sorcellerie? Hein? Maintenant, toi, tu ne veux pas faire ce que le médecin veut faire. Moi, je suis comme un médecin. Je dis de faire ça, ça. Tu ne veux pas parler. Tu veux que je délivre comment? Tu veux être délivré. Tu as fait quoi? Une dernière fois, hein, je te pose la question. Tu veux quoi? Tu as fait quoi? Ah. Tu es sorcier ou pas? Bon, comme tu vois rien là, va à la maison. Mais non, je ne vais pas délivrer tant que tu ne parles pas. Non, 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 non. C'est pas moi que tu vas manger. Moi, j'ai vu que tu es sorcier. C'est moi qui t'ai dit que tu es sorcier. N'est-ce pas? Toi, tu ne reconnais pas ça. Si, je reconnais. Sorcier fait quoi? Tu n'as pas gâté. Tu n'as pas gâté. Bon, tu n'as pas gâté. Hein? Hein? Tu as gâté quoi? Vous voyez combien me fatigue? Ah, ben je te demande maintenant, tu as gâté quoi? Tu ne parles pas. Tu n'as rien gâté. Maintenant, tu fous quoi ici? Là, tu fous quoi là? Comme il dit, tu n'as rien gâté. Tu n'as pas tué. Tu n'as pas gâté. Tu fous quoi ici? De quoi? C'est quand tu vas à l'hôpital, dis que tu n'es pas malade. C'est quand médecin va te soigner. Donc allez-y. Vous n'êtes pas sorcier, allez-y. Non, non, allez-y. Non, prenez-nous au sérieux, allez-y. Levez-vous, allez-vous. Pardon, pourquoi? Non, vous ne pouvez pas vous asseoir ici. Parce que ici, là, c'est la banc où il y a des sorciers. Si vous êtes ici, vous êtes sorcier. Hein? Vous n'êtes pas sorcier, non? Vous voyez comment les gens nous fatiguent. Au fait, tu veux quoi au juste? À la fin, tu veux quoi? Monsieur, il est mauvais comme ça, sorcier. Le gars est très dangereux. Ah, tu es là maintenant. Tu as fait combien de temps ici? Là, tu es là, tu voyages, tu vas à Paris, tu vas en France, à Bordeaux. Toi. Tu vas comprendre ça aujourd'hui. Là, tu as avion. On est avion. On est avion. Qui est venu qui? Elle est venue qui? Elle est où? Elle est venue qui? C'est ma fille. Maman est petite comme ça. Tu es sorcière? Hein? Tu parles ou bien? Ah!
Attends. Come on. Envoie la délivrance. Tu as gâté la vie de ton père, tu as fait quoi? J'ai gâté la vie de mon père en lui donnant une odeur et aussi des boules dans son ventre. Du genre d'ennemi. Mm-hmm. Et aussi, j'ai gâté aussi la vie de sa femme parce qu'elle a fait deux filles avec lui. Maintenant, là-bas, j'ai pris son. C'est comment on fait l'enfant dedans. Et ça, j'ai renversé. Hein? Non, c'est l'utérus. Non, le l'utérus. C'est ça qui a été renversé, puis attaché. Donc, souvent, quand elle enterre, quand elle n'est pas une grossesse, ça quitte. Voilà, ça quitte. Mais comment vous arrivez à renverser en tant que sorcier? Mais ce sont les paroles mystiques qu'on lance, qu'on on parle. Les paroles mystiques. Et puis aussi, j'ai gâté la vie de mes deux petites soeurs. Il y a une qui est à l'école primaire, sur 2 ou sur 1. Et puis il y a l'autre qui est en 4e. Et aussi, et mon chat. On te mettait en chaîne. Comme mouton. Ici, il n'y a pas de chaîne. Non, mais pas les gens en chaîne. C'est les fous, on met en chaîne. Tu as vu? On peut mettre un enfant comme ça, regardez les sorciers dans la chaîne. Vous ne connaissez pas la chose, laissez ça. Vous pouvez envoyer nous la chose à délivrer. Et la seule mère qui est en 4e là, je sautais elle en sorcellerie. On appelle ça c'est un sexe. Et là, mon petit frère même qui est actuellement en Europe, je suis arrivé vers lui parce qu'on m'a envoyé de partir. De tuer. T'as parti en Europe là-bas? Ouais, c'est avec la charge de ma grand-mère. Mm-hmm. Voilà, et arrivé là-bas, elle m'a chargé de faire cela. Elle me charge de. Parce que quand je suis arrivé, je lui ai dit que, au fait, je suis arrivé ici, on m'envoie de te tuer. Mm-hmm. Et il a dit grand frère, deux, trois fois grand frère. Il t'a vu dans le rêve? Il m'a vu. Il m'a dit grand frère. C'est au moment où je voulais lever la voix pour. Envoyé un son en lui, c'est là maintenant il a répété le nom de Jésus-Christ de Nazareth et c'est là que j'ai disparu. Toute chose, il faudrait qu'il soit l'alpha et l'oméga. Avant de dormir, avant de vous lever, Dieu d'abord, au coucher, Dieu. Mettez Dieu toujours la première place de votre vie. Oui, c'est comme ça, c'est vraiment important. Oui, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Et de là, je suis revenu. Quand je suis arrivé, j'ai dit à ma grand-mère que, où je suis allé là? Vraiment, il y a quelque chose qui était plus fort que moi. Elle dit quoi? C'est que toi, il faut aller. Maintenant c'est là, de là on n'est plus allé et puis c'est de là elle-même, son propre gré, elle est allée en Amérique chez son enfant. Son propre gré, elle-même est allée chez son enfant en Amérique. C'est là, son enfant était assis sur son ordinateur et qu'elle est arrivée, elle a tapé son cou. Au fait, elle n'a pas tapé genre un truc comme ça, mais elle a infecté en lui un animal qui va faire de lui, il va perdre son travail et il va tomber gravement malade. Il était sur le point de mourir même. Il était sur le point de mourir. Vous voulez délivrer vous? Vous souffrez de ça ou est-ce que parce que Dieu peut vous délivrer? Je souffre de ça. Je souffre de ça, c'est-à-dire quand je veux parler, vous me dites de laisser.
Non, moi j'aime qu'on résume. Oui. Mais si on vous voulez parler, on ne va pas quitter ici. Je suis fatigué de ça. Comment? Sors de lui! Allez! Va! Quitte son corps! Quitte son corps! Lâche-le! Oui, lâche-le! Lâche-le! Oui, lâche-le! 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 Allez! Lâche-le! Esprit de la sorcellerie! Libère-le! Libère-le! C'est un ordre! Tu mets-toi à genoux devant la puissance de Dieu! Mets-toi à genoux devant la puissance de Dieu. À genoux devant la puissance de Jésus. Oui, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Oui, le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Oui. Oui, le feu. Le feu! Le feu! Allez! 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 Le feu! La puissance de Dieu écrase ton pouvoir. Esprit de la sorcellerie, tu le libères maintenant même. C'est un ordre. C'est un ordre dans le nom de Jésus. Oui, lâche-le. Allez! 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 Le feu! Le feu sur toi! Le feu sur toi! Esprit de la sorcellerie, le feu! Le feu sur toi, esprit de la sorcellerie. Le feu, consume ta zone. Allez! 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 Le feu! Le feu! Le feu! Allez! La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. Il se transforme comme une panthère pour attaquer ses victimes. Comprenez. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ, maintenant même ton pouvoir est vaincu. Libère-le, le feu sur toi. Le feu. Oui, le feu. Tu vas quitter ce corps. Si, tu vas quitter ce corps. Si, tu vas quitter ce corps. Tu vas quitter ce corps. Tu vas le lâcher. Tu vas libérer ce corps. Tu vas libérer sa vie. Tu vas quitter son corps. Tu vas le libérer. Tu vas le libérer. Au nom de Jésus. 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 Allez. 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 Allez, libère-le. 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 Allez, libère-le. Le feu sur toi. Le feu. Le feu. La puissance de Dieu consume tes œuvres dans ce corps. La puissance de Dieu consume tes œuvres dans ce corps. La puissance de Dieu consume tes œuvres dans ce corps. Le feu. Le feu de Dieu. Le feu. Allez, feu. Le feu. Feu. Allez, feu. Feu. Le 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 feu de Dieu. Consume tes yeux dans ce corps. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. C'est ça va. Le feu, allez. Allez, feu. Le feu, libère-le. Libère-le au nom de Jésus. Tu vas libérer ce corps. Maintenant même. Tu vas lâcher sa vie. C'est un ordre. 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 Allez. Allez, lâche-le. Allez, lâche-le. Allez, lâche-le. Allez, lâche-le. Allez, libère-le.
Libère-le. Libère-le. Libère-le. Au nom de Jésus. Lâche-le. 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 C'est un esprit. Nous allons le déloger. Une fois l'esprit est parti, c'est fini. Voilà. Il faut qu'il quitte son corps. Il est là, mais il y a un esprit qui est en lui et qui le pousse à être sorcier. Donc il n'a plus de volonté. Tant qu'il ne se débarrasse pas de ce démon. Parce qu'il faut que ce démon parte et que l'esprit de Dieu prenne possession de son âme, son esprit. Parce que quand il est possédé, il a un mauvais esprit en lui. Or, s'il est délivré, Dieu voit en lui l'Esprit Saint. Voilà. Pour manifester les fruits de l'esprit. Lâche-le. 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 Voilà la puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Tu vas libérer son âme. Tu vas libérer son âme. Son âme quitte le royaume de la sorcellerie. Son âme quitte le royaume de la sorcellerie. Oui, au nom de Jésus. La puissance de Dieu te libère. Oui, Jésus-Christ te libère maintenant même. Reçois la puissance de la délivrance. Jésus te délivre maintenant. Jésus te délivre. Jésus te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te délivre. Sa puissance te délivre. Sa puissance te délivre. Reçois la puissance de Dieu. 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 Allez, dégage! Libère-le. Libère son corps. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Lâche-le. 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 Tu vas partir et tu vas dégager de sa vie. Tu vas le libérer. Libère-le. Va. 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 Il est délivré. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Sorti de toi. L'esprit de vous. Hein? L'esprit de passé. Pas en tête, tu as senti quelque chose qui t'est sorti. Sorti de toi. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, Dieu est souverain. Amen. Amen. Et les gens qui disent, ah non, le sorcier ne peut jamais être délivré. Si, Dieu peut délivrer le sorcier. Amen. Dieu, sa main n'est pas limitée. Dieu est puissant, il est souverain. Celui qu'on appelle sorcier aujourd'hui, il peut être aussi grand demain. Amen. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. Vous me tenez debout, je vais prier pour vous. Et nous allons passer tout à l'heure la réception. Tous les samedis, nous avons les réceptions. J'en profite pour annoncer un événement de taille. D'ici deux semaines, nous serons sur l'Europe pour une tournée européenne. Nous arrivons bientôt en Europe pour une tournée européenne. Nous serons en Italie, en France et précisément à Lyon. Nous serons aussi en Grèce. Et il y a aussi la Suisse qui s'annonce. Il y a aussi, n'est-ce pas, aussi l'Allemagne qui s'annonce. Voilà, donc c'est vraiment un événement de taille pour apporter une délivrance dans la vie des bien-aimés, ceux qui ont des problèmes d'insuffisance rénale, ceux qui ont des problèmes, des difficultés. Jésus-Christ sera au rendez-vous à ces différents programmes. Amen. Et nous en profitons pour vous annoncer aussi mon arrivée très bientôt, en fin mars, en fin avril, aux États-Unis. Et j'en profite aussi pour faire deux semaines au Canada. Je suis chez Vito Canada.
oui, à Montréal. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu. Amen. Voilà, merci aussi pour ceux qui apportent leur soutien. Merci déjà pour ceux qui nous apportent leur soutien à l'orphelinat, au ministère. J'en profite pour dire merci. J'ai la liste des personnes qui sont en train d'apporter leur soutien. Et moi-même, personnellement, je les appelle pour leur dire merci. De vive voix, merci. Franchement, nous avons besoin d'être soutenus. Nous avons franchement besoin d'un soutien. Quand tu es dans un parti politique, quand tu milites dans un parti politique, tu fais avancer le parti politique en donnant ton argent. Oui, parce que Dieu a besoin de vos finances pour faire avancer son royaume. Donc merci. Merci pour vous qui apportez le soutien à l'orphelinat, la fondation Prophète Joël Crasso, et aussi au ministère, parce que nous avons trop de charges. Merci. Tout à l'heure encore, je vais appeler à tous ceux qui nous ont apporté cette semaine leur soutien. Et au fur et à mesure, ceux qui emporteront leur soutien, je prendrai moi, sur moi, cette responsabilité de vous appeler pour vous dire merci de vive voix. Parce qu'on a besoin d'être soutenu. Soyez bénis. Amen. Levez la main que je prie pour vous. Que la main de Jésus-Christ vous libère ce soir. Que la puissante main de Jésus vous libère. Et la puissante main de notre Dieu vous libère. Que tout regard mystique, je commande au pouvoir de la sorcellerie. Je commande aux forces des ténèbres qui menaient vos vies. Je commande à l'esprit des ténèbres qui vous empêchait d'avancer spirituellement, parents, dans cette vie, qui avait bloqué vos finances. La main de Jésus-Christ vient et vous libère. La main puissante de Jésus vous libère ce soir. Je libère vos finances. Je libère toute situation bloquée dans votre vie. Que la main de Dieu vous libère. Au nom de Jésus, j'ai prié. On dit amen. 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 Alors,